Bonsoir, rebonsoir, frères et sœurs, et de nouveau sur TV et Radio de Vie. Il est 21h moins 3, heure de Paris, heure locale. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie, donc je ne sais pas quel jour on est lundi. Combien, Loufiane ? Ah, t'es comme moi, déconnecté. Voilà, le 5, voilà, lundi 5 mai, n'est-ce pas, 2014. Voilà, c'est vrai que le calendrier grégorien nous pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Voilà, que Dieu soit béni. Merci merci à tout le monde pour votre présence, pour vos soutiens, vos conseils, tout ça. Et nous sommes beaucoup encouragés par ce que Dieu fait dans vos cœurs, dans vos vies. Nous avons beaucoup de coups de fil, beaucoup de mails, de témoignages de frères et sœurs depuis, n'est-ce pas, leur ville, leur pays, de ce que le Seigneur fait dans leur vie, des guérisons, de délivrances. Et ce soir, n'est-ce pas, il y a un enseignement qui sera apporté, mais bien avant l'enseignement, vous allez, n'est-ce pas, écouter un témoignage de ce que Dieu a fait, de guérison, de délivrance. Voilà, que Dieu soit béni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes belge, vous venez de la Belgique, vous venez d'arriver. Oui, nous venons d'arriver de Belgique. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter juste en regardant cette caméra-là, parce que les frères et sœurs te voient chez eux. Comment tu t'appelles et voilà. Je m'appelle Alain Fridley. Je viens de Bruxelles. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? En fait, on m'a touché un peu partout dans mon corps. D'accord. Et quand je suis rentré, j'ai retiré mes chaussures. D'accord. J'ai constaté que mon pied gauche, mon pied, il avait agrandi. Il était plus grand. D'accord. Donc, depuis lors, j'avais mes pieds égaux. Puisque donc, tu avais une jambe plus courte que l'autre. Un pied plus court que l'autre. Un pied, ouais, d'accord. Et une jambe aussi. Ok. Et tu portais un talon pour compenser. Je portais des semelles. Des semelles, voilà. Ouais. Voilà. Donc, tu es rentré chez toi après la prière. C'était lors de la réunion de réveil à Bruxelles. Et là, tu as constaté que ta jambe s'était allongée et puis ton pied était restauré, guéri. D'abord le pied. D'abord le pied. Et après la jambe. D'accord. Waouh, que le Seigneur soit béni. Magnifique le Seigneur. Et ensuite, il y a eu quoi d'autre comme guérison? Après, j'ai constaté en allant au travail. D'accord. Que je n'avais plus mal. D'accord. À marcher. Et que je marchais droit, que je ne boitais plus. Waouh. Alléluia, parce qu'avant tu boitais bien sûr. Avant je boitais, oui. Mais mes amis, vous vous rendez compte, cet homme que nous avons rencontré à Bruxelles pendant une réunion de réveil, le Seigneur l'a guéri, il avait une jambe plus courte que l'autre, un pied plus petit que l'autre, il y avait un creux, je crois, dans l'un des pieds, je crois. Et puis le Seigneur guérit, cet homme l'a complètement guéri. Il boitait, il boite plus. Et puis il y a aussi apparemment ton œil gauche. Disons que je voyais très mal avec un œil, l'œil gauche. Mm-hmm. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Un matin, j'ai constaté que je voyais très bien avec l'œil. Alléluia. Donc j'ai caché un œil pour voir. Et je voyais aussi bien qu'avec l'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs. Dieu est trop fort. C'est magnifique, magnifique. Et alors, toi qui l'as amené, bien sûr, au programme de réveil, qu'est-ce que tu penses un peu de toutes ces guérisons, de tous ces miracles? Le Seigneur est grand. Mm-hmm. Parfois, je n'ai pas trouvé des mots pour expliquer ce qui s'est passé parce que ça m'est dépassé. Mm-hmm. J'avais perdu mon logement et il m'a dit, non, il y a une chambre où on va venir te chercher, mes deux frères, lui et un autre qui s'appelle Éloi. Mm-hmm. Et tu vas déposer et ne te tracasse pas, tu cherches tranquillement, mais tu habites chez moi. J'étais un peu gênée d'habiter chez un homme, mais il m'a dit, je ne veux pas te déranger, je suis ton frère et sens-toi à l'aise. Mm-hmm. En même temps, moi j'ai connu le Seigneur un peu plus jeune, à la maison, chez moi. J'ai été charismatique. J'ai eu mon effusion très très jeune, je crois à l'âge de 16 ans. Mmh. Vous êtes catholique charismatique. Oui, catholique charismatique. Mmh. J'ai continué dans ce sens-là, même qu'après je suis tombée en arrivant à Bruxelles, en Belgique. Mmh. Mais je n'ai jamais lâché le Seigneur, mmh, parce que je savais où je l'ai rencontré. Mmh. Mais je n'avais plus de repères parce que chez nous, chez les catholiques, il n'y avait pas des enseignements pour nous aider à aller plus loin. Mmh. Donc on cherchait par nous-mêmes.
c'est par l'adoration que je faisais personnellement que j'ai pu découvrir et être plus, un peu proche de Jésus. Mm-hmm. Quand je suis arrivée chez lui, je savais, parce que ça faisait un mois, trois semaines que je vous suivais sur Internet. Mm-hmm. C'est ma grande sœur qui vit au Canada qui m'a dit, mais connecte-toi, va regarder sur tel enseignement, tu vas voir, c'est incroyable. J'ai commencé à suivre les enseignements, j'ai suivi Église, où es-tu ? Mm-hmm. Ça m'a, je crois que j'ai eu le vertige. J'ai dit, où sommes-nous ? Je me suis dit, non, je vais fermer parce que j'étais une catholique convaincue, mm-hmm. qui a eu des miracles aussi. Mm-hmm. Et je me suis dit, c'est pas possible. Mais il y avait quelque chose qui était vrai. Je suis allée rallumer, j'ai suivi. Je pense que ces jours-là, je n'ai pas dormi. Les lendemains, je me levais juste pour prendre le petit déjeuner et je commençais les enseignements. On ne pouvait plus m'appeler, j'ai bloqué tous mes numéros. Je voulais savoir. Je voulais savoir où est-ce que j'ai coincé pour ne pas percer avec les seigneurs. Mmh. Et puis, j'étais chez lui et ma sœur me dit, tu sais que le frère Chora vient en Belgique? J'ai dit, c'est vrai, mais il sera où? Elle a cherché sur Internet, elle m'a dit, rue de l'Épée. Mmh. J'ai dit, je vais chercher, c'est où? Je vais chercher. Et deux autres frères avec qui je suis venue ici à Paris m'ont dit, nous on sait où c'est, tu prends l'ascenseur. Ils m'ont dit tout ce que je vais faire pour arriver là où vous étiez. Mm-hmm. Je suis arrivée plus tôt que les autres, 2 heures en avance. Wow. J'étais là devant. Et alors ma soeur m'a dit, ne laisse pas ce garçon qui est là. Je lui ai dit, mais il ne comprend pas encore grand-chose. Mm-hmm. Au moins moi et toi, on a déjà avancé. Il a dit, non, c'est son jour de guérison. Amène-le demain. Wow. Je le sens comme ça parce qu'elle est vraiment très poussée, plus que moi. Mm-hmm. J'ai amené Alain. Je lui dis, mais peut-être il faut que tu l'expliques parce qu'il ne va pas comprendre grand-chose. Il s'est fait baptiser l'année passée. Mm-hmm. C'est ça, l'année passée qu'il est venu au Seigneur. Mm-hmm. Donc il y a tout un tas de trucs qu'il faut expliquer pour qu'il comprenne. Je l'ai amené, je lui ai dit, Alain, ne pose pas des questions. Suis-moi seulement. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Mmh. Parce que moi, je savais qu'il pouvait être touché, si c'était son jour. Et curieusement, les familles avec lesquelles on était dehors nous avaient déjà réservé une place là-devant. Mmh. J'ai dit, oh Seigneur, je ne vais pas aller m'asseoir là-devant. Je vais m'asseoir au milieu, quelque part, un coin caché. Mmh. Ils ont dit, non, ma soeur, on a déjà réservé 2 places ici devant, venez. Mon Dieu, c'était vraiment frustrant. En même temps, je voulais être là. En même temps, j'avais peur. Et puis, quand le frère Chora passait, il touchait Alain sur l'épaule. J'ai dit, ça, c'est un signe, Seigneur. Si il est touché, comme ça, je suis sûre qu'il va guérir. Dans ma tête, c'est ça que j'ai développé. J'ai vu 2 fois, 3 fois, j'ai dit, Seigneur, ça y est, c'est son jour. Et le frère a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de genou ici? J'ai vu Alain lever sa main, j'ai dit « Gloire à Dieu !» Parce que la louange, si longue comme ça, il ne comprenait pas ça. Pour nous, la messe, c'est 30 minutes et c'est fini. Mm-hmm. Donc, il n'est pas habitué à ces prières-là, à cette façon de chanter. Mm-hmm. Donc, je me disais, je vais le voir se lever et partir. Mm-hmm. Et alors, on a prié pour lui. Mais il était intimidé, donc il ne savait pas dire tout ce qu'il avait. Moi, j'avais remarqué, parce que je venais de faire 4 jours chez lui, je remarquais qu'il avait un pied qui était vraiment à la moitié de l'autre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est comme ça que je suis depuis tout petit. Et alors, comme il avait oublié de dire aussi qu'il avait ce problème-là, je me suis levée, je suis allée dire que son pied gauche était plus petit que le pied droit. Et voilà, donc il a été touché, il s'est rappelé qu'il avait aussi l'épilepsie, il a pu dire, moi j'avais constaté qu'il avait d'autres problèmes, mais là le frère lui a dit, tout est passé, l'esprit qui venait le tourmenter depuis son jeune âge est parti ce jour-là. Donc c'est ça qui est à la base de tout ce qu'il a eu comme problème dans sa vie. Et par là, je me suis dit, Seigneur Jésus, si je ne t'ai pas vu aujourd'hui, je ne sais pas qui je suis venu voir ici. Mmh. Je l'ai amené comme ça, j'avais peur qu'il s'en aille, et puis voilà, tu l'as touché. Mmh. Et tout ça a fait que ça a réveillé beaucoup de choses en moi. Je pense que je n'avais pas envie de quitter la salle ce jour-là, j'avais envie de rester. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est grand.
Et alors, vous qui êtes venu aussi avec eux, comment voyez-vous un peu ces guérisons, ces délivrances, ces conversions que le Seigneur est en train d'opérer actuellement à Bruxelles, et aussi ici et là? Donc, comment avez-vous vécu, comment vivez-vous ces choses, mon frère Settimio? On est vraiment dans la joie parce qu'on voit que notre papa est vivant et il opère. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement un Dieu historique dont on parlait les anciens, les aînés. Mm-hmm. On voit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mm-hmm. Bien que dans la conjugaison, dans la grammaire, on a différents temps, mais notre Dieu est omniprésent. Amen. C'est ça qui nous fortifie, qui nous encourage encore de le suivre parce qu'il n'y a pas vraiment pas un autre qui est capable de faire tout ce qu'on a vu. Mm-hmm. Et on se dit qu'il est vraiment... En fait, quand on voit ça, il n'y a plus de mots. C'est, mm-hmm. c'est le cœur qui parle, c'est l'âme qui se réjouit, c'est formidable, c'est merveilleux en fait. Là, toutes ces nations réunies ensemble, on se dit, qui peut attirer ça? Là, on se dit, non, il faut suivre. Et la femme qui a été guérie Belinda. C'est Belinda que oui, s'appelle c'est En fait, j'ai vu ce que le Seigneur a fait, mais je ne connaissais pas bien l'histoire ni le contexte. Est-ce que Yann, c'est possible de voir vite fait cette image-là? Ou c'est possible? Ok, parfait. Ok. Donc, juste au moment où elle commence à marcher là avec. C'est vraiment magnifique ce que Dieu fait à Bruxelles. C'est-à-dire aussi. Que c'est une sœur qui venait déjà depuis un certain temps. D'accord. Et ça fait un mois et demi que je ne la voyais plus. Et quand elle est arrivée, je me disais, ce visage, je connais. Et puis, à un moment, j'étais un peu confus parce que son visage avait complètement changé avant que Dieu opère. Et puis, quand Dieu a commencé à l'interpeller, tout ça, et tu as prié pour elle, et tu as commencé à tousser ses jambes et tout ça, j'ai dit, mais je vois qui c'est maintenant. Mm-hmm. Et quand Dieu a opéré, et hier, avant de venir ici, j'ai commencé à appeler une sœur qui l'avait amenée. Je dis, oh, mais la sœur, là, c'est pas une sœur qui venait. Elle dit, mais oui, c'est Belinda, tout ça, ma grande sœur, tout ça. Je dis, mais c'était quoi? Elle me passe son numéro, elle m'appelle. Je dis, mais frère, tu sais pas ce que Dieu a fait dans ma vie, il est grand, il est merveilleux. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, ça fait un mois et demi. Qu'elle a commencé à fréquenter l'hôpital. Elle est restée à l'hôpital un mois et demi. Waouh. Elle s'est fait opérer pendant 5 jours de sa hanche. Donc on a 5 jours d'opération. 5 jours, on a ouvert ses deux côtés, une vingtaine de centimètres. Waouh. Et le jour du programme, elle a dit au médecin, elle a dit à l'hôpital que moi, je sors. Parce que ça fait plusieurs fois qu'elle devait déjà venir au programme. Et ce jour, l'esprit l'a poussé à sortir. Et l'hôpital a dit, tu ne vas pas sortir parce qu'on ne peut pas prendre cette responsabilité. Mmh, mmh. Soit vous signez une décharge, vous prenez vos responsabilités, nous on est acquittés, soit. Elle a dit, dans son cœur, elle était tellement convaincue, elle a décidé de signer la décharge. Elle a pris la voiture avec sa famille, elle est venue. Waouh. Alors que les médecins avaient prévu que le lundi, elle puisse avoir une chaise roulante. Sérieux? Donc, elle avait déjà les deux béquilles. Elle avait déjà les deux béquilles et il était prévu par la médecine, par l'hôpital, que lundi, elle devait être sur chaise roulante. Elle a dit, non, moi, je connais ce grand Dieu-là yes. et qu'il opère au travers de ce frère-là. Moi, je dois venir. Wow. Alors, on va rapidement balancer l'image pour donner gloire à Yoshua. Hein? Donc, frère et sœur, regardez un peu. Ah oui, Loufiane, c'est terrible, mon frère Loufiane, c'est terrible. Ouh, Jesus Christ. Et c'est-à-dire que... Là, on la voit, elle est déjà debout. Les deux Amen. Béquilles sont par terre. Là, après la prière, maintenant, Dieu me demande de lui dire de bouger ses jambes. Hein? Bouge-moi ses jambes qui sont complètement en lambeaux. Bouge-les, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, les béquilles sont par terre. Voilà quelqu'un dont le bassin a été cassé. Et opérée de deux hanches, hein, donc voilà, elle devait être sur chaise roulante, voilà, donc voilà, le Seigneur l'a touchée, maintenant elle marche. Voilà, les deux béquilles sont là, voilà, pour que le monde entier voit tout ce que Dieu fait. Alléluia, Dieu agit au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Mes amis, regardez comment elle marche, une belle marche. Oh, Jesus Christ, alléluia. Alléluia. Magnifique le Seigneur, frères et sœurs. Voilà, elle enlève son foulard. C'est la délivrance. Voilà, quelle démarche. Voilà, magnifique le Seigneur, frères et sœurs. Vous voyez vous-même, mes amis, de quoi Yeshua est capable. Nous avons un coup de fil. Voilà, on a quelqu'un en ligne. Alléluia, c'est beau, Julien, mon frère. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je voulais témoigner. Je ne sais quoi dire, je manque tellement de mots. Je suis un peu timide, excusez-moi.
Je suis venue le dimanche à Bruxelles, j'habite en Vex, en fait. Je disais, Dieu, c'est mon jour aujourd'hui, il faut que je sois guérie, il faut que tu me délivres. On a écouté les prédications et tout, et puis on commençait à prier, et là j'ai ressenti une puissance, oh, comment dire, c'est comme dans un film, quoi. Mmh. Il y avait mon corps qui vibrait, et j'ai ressenti quelque chose qui sortait de moi. J'étais assise, j'avais mis une jupe, j'avais peur tellement de tomber et tout, vous comprenez? Mm-hmm. Et là, j'ai piclé, et là, j'ai ressenti une puissance. Après, les frères Chora a parlé des gens qui ont des problèmes des intestins. Moi, j'ai eu un problème des intestins, ça fait un bout de temps. J'ai eu une opération, ça n'a rien donné. Le docteur m'a dit qu'il faut continuer les médicaments. J'ai pris des médicaments et ça n'a rien donné. J'ai mangé presque rien, en fait. Mais le jour-là, quand le frère Chora m'a touché, il a fait qu'il touchait ma tête et prié. Il m'a dit, va, mange tout ce que tu veux. Et en route, quand on est rentré, en route, j'ai dit à mon frère qu'il est venu avec. Il avait acheté un jus de gingembre. Je lui ai dit, je commence par ça parce que ça aussi, je ne buvais pas. J'ai dit, je commence par ça parce que je sais que j'ai déjà eu ma guérison. Mm-hmm. J'ai pris les gingembre. À la maison, j'ai mangé beaucoup de choses et ça n'a rien donné. Après, j'étais assise. J'ai remarqué comme si, à l'intérieur de mon ventre, il y avait des choses qui se déplaçaient, qui prenaient. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'avais pas mal, mais il y avait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui arrangeait des choses à l'intérieur. Wow. Depuis ce jour-là, je mange tout ce que je veux. Il n'y a pas de bruit, il n'y a plus rien du tout. C'est pour cela que je glorifie Dieu. Que Dieu soit loué, soit glorifié. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire des choses pareilles. Il n'y a que lui. On a beau chercher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, garde ta délivrance, ta guérison et donne gloire à Jésus-Christ partout. Je ne sais quoi dire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Bonne continuation, ma sœur. Et médite Jean chapitre 5. Parce que j'habite en Verve, il y a tellement de charlatans, excusez-moi le mot, il y a tellement de pasteurs qui nous ont tellement menti ici. On a payé, on est fatigué. Je voulais demander si c'est possible que vous veniez aussi en Verve. On viendra à Anvers. Dieu nous a dit toute l'Europe. On viendra, il n'y a pas de souci. Amen. Il était temps. Alléluia, gloire à Dieu. Sois loué. Bonne soirée. Merci, ma soeur. Merci. Au revoir. Vous vous rendez compte de ce que Dieu fait, mes amis, là, c'est... Tu voulais dire quelque chose? Oui. Et ça, c'est la même chose qui s'est passée pour Alain. Il avait un problème d'intestin aussi? Oui. Le Seigneur, le lendemain, le Seigneur bougeait... tout ce qui s'est trouvé dans son ventre, presque ce qu'il m'a dit, de gauche à droite. Maintenant, il mange tout. Wow, alors, il y a des choses qu'il ne pouvait pas manger. Il mange de tout maintenant. Il mange tout et il n'est pas pressé d'aller au petit coin. Il est normal. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je ne sais pas quoi dire. Alléluia, mes amis. Dieu est trop fort. Chrétien, vous qui suivez cette émission ce soir, ou chez vous plus tard sur YouTube, Dailymotion, je ne sais pas, Dieu est trop fort. Alors, tu voulais dire quelque chose là, non? Je veux dire, c'est le temps d'Ézéchiel n'est pas passé en fait. Amen. Les eaux là doivent reprendre vie au nom de Jésus. Et c'est simplement de déclarer, de croire. Et le Seigneur envoie encore cette onction, on rend gloire à son Saint-Nom. Je sais que ça va être chaud. Amen. Ça va être Amen. Chaud, ça va être chaud. Waouh. On a chaud. Quelqu'un d'autre en ligne, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, je suis bien en direct. Bien évidemment, oui, bien sûr. Oui, après, c'est très chouette. Je vous téléphone de Bruxelles. D'accord. Je suis la sœur de la sœur Belinda. D'accord. Oui, en fait, je vous regarde déjà à ces moments. Je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment étonnée. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos familles. Donc, c'est vraiment incroyable. Waouh. Parce que... Oui, ah là, excusez-moi, j'ai chaud là. Et le problème année, le vendredi même, on avait presque la chaise roulante. Et c'était moi que je devais aller chercher la chaise.
Dieu m'a vraiment coincé de ne pas aller la chercher. Waouh! C'est incroyable. Et les après-midi, je suis allée vite fait à l'hôpital, aller la chercher. Et on était là, au réunion des réveils. Et c'est tout ce qui est passé. Donc, Dieu est vraiment merveilleux. Alléluia! Donc, on glorifie Dieu. Et alors, aujourd'hui, elle était partie à l'hôpital. Quand elle marchait, le médecin, il n'arrivait même pas à comprendre. Tout le monde, même les infirmiers. Donc, on l'a fait même venir un psychologue pour parler un peu avec elle. Le médecin, ils ont dit qu'elle est devenue folle. Mais nous, on l'a dit qu'on est folle de Jésus. On est fou de Jésus. Amen. C'est vraiment incroyable. Si Dieu le veut, le vendredi, elle-même, elle va témoigner sur place. Elle va vraiment beaucoup parler. Donc, c'est vraiment incroyable. Avec joie, TV de Vie sera présente avec l'équipe de Frères et Sœurs de Paris pour vivre cet événement en live encore. Alléluia. Ok, merci beaucoup. Merci, merci. Bon courage. Okay, au revoir. Voilà, frères et sœurs, c'est la sœur qui vient d'appeler. C'est la sœur, donc elle est sœur de cette femme, hein, donc Belinda, notre sœur, qui était vraiment, dont le bassin était complètement, les hanches étaient complètement abîmées, cassées. Elle a subi une opération de 5 jours, pendant 5 jours. Et donc, le Seigneur l'a guérie. Et puis, sa sœur qui vient d'appeler, c'est elle qui était chargée d'aller lui prendre la chaise roulante. Voilà. Donc, les médecins, ils ne comprennent pas. Ils la prennent pour. Voilà. C'est ça, le Seigneur, frères et sœurs. Dieu ne condamne pas ses enfants. Dieu n'a pas changé. Alors, mes sœurs, mon frère, tout ça, comment vivez-vous toutes ces choses que Dieu opère? Bonsoir, moi c'est le frère Thierry, et je viens aussi de Bruxelles. Et avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais aujourd'hui, devant tout le monde, sur TV de Vie, et premièrement commencer à me repentir devant le Seigneur, parce que je suis parmi les personnes qui se sont opposées au départ de ces messages, du retour à la parole, jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie aussi apporter ces messages du retour à la parole. Amen. Et je faisais partie des gens qui vous ont traité d'antéchrist. Waouh. Oui. Et je me réponds de cela. Que Dieu soit béni. Et il y a quelques mois, quand je suis revenu de la mission en RDC, plus précisément en province orientale, et quand je suis revenu, j'ai commencé maintenant sur Facebook, moi. D'accord. Parce que j'étais dans une église, j'étais choriste. J'ai chanté à la chorale et ma chorale est devenue une chorale commerciale. D'accord. Alors, bien avant cela, j'avais déjà quitté ma chorale parce que je ne partageais plus cette vision-là de vendre ce que le Seigneur nous a donné gratuitement. D'accord. Et quand le Seigneur m'a donné ce message, m'a envoyé, j'ai eu des problèmes. J'ai été voir parce que j'ai fait presque 7 ans encadré par des personnes qui ne sont pas forcément des gens qui sont appelés par le Seigneur, sauf qu'il y a un système qui est établi et aussi continue à perpétuer ces erreurs que nous avons reçues. Mais par la grâce du Seigneur, quand il y a l'amour de la vérité, le Seigneur vient toujours vers nous. Amen. Et nous avons combattu ce message du retour à la parole. Sur la dîme, on vous a traité d'antéchrist. Et dans l'église où j'étais, c'était formellement interdit. Surtout, écoutez, Chora. On a même appris qu'au Canada, les hommes de Dieu s'étaient réunis pour vous livrer à Satan, soi-disant. Tout à fait. Oui, parce qu'ils étaient contre ces messages. Ils vous ont traité d'antéchrist. Et quand le Seigneur a commencé à me révéler ces choses, j'ouvrais la Bible. Je disais, mais comment est-ce qu'on peut combattre quelque chose qui est... La vérité est là, c'est clair. Mais comment est-ce qu'on peut s'opposer à la voix du Seigneur? Jusqu'à ce que le Seigneur m'ait contraint. On voit aussi avec ces messages, j'ai passé 3 mois en province orientale et j'ai commencé à Kisangani. On a commencé avec ces messages de retour à la parole. Vraiment, il y a un réveil qui a commencé. Amen. Les gens ont ouvert les yeux. Mais ce qu'on a trouvé, ce que j'ai trouvé à Kisangani, c'était vraiment poubelle. D'accord. Les églises, c'est des poubelles et rien, rien. Dieu n'est plus dans des bâtiments. Malheureusement. Rien.
Et voilà, je voulais présenter mes excuses. Avec et joie. Me répentir aussi, dire que vraiment nous avons combattu le Seigneur en étant contre ces messages, alors que c'est le message que tout chrétien, en ces temps où nous sommes, doit apporter ces messages. Alléluia. Parce que le Seigneur revient. Alors, que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va partager. Il y a des choses à dire, il y en a vraiment beaucoup, et beaucoup de témoignages. Ben, ce qu'on pourra faire, on va faire ceci, que Dieu soit béni. Vous savez, TV de vie n'est pas, comment dire, la propriété de quelqu'un. Donc, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Et elle est également disponible, hein, donc mise à la disposition des frères et sœurs. Donc, on verra pour que demain, si Dieu permet, que tu reviennes. Et avec cette émission, on va, avec des frères et sœurs qui sont là, on va prendre en charge l'essence, tout ça. Donc, on va s'organiser pour avoir justement une émission sur justement les églises commerciales et tout ça. Donc, parce que je vois que ce soir, le Seigneur nous oriente vraiment par rapport vers les témoignages, hein, à sa gloire. Donc, on va finaliser tout ça. Alors, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Ok. Bonsoir. Hey, allô. Oui, bonsoir, frère. Oui, bonsoir. Oui, c'est le frère Alain, j'appelle de Bruxelles. D'accord. Oui, je voulais intervenir par rapport à tous les miracles que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Oui, j'ai dit... J'étais à Paris il y a quelques semaines pour vivre tout ce qui se passait. Et à mon retour, j'ai commencé à lire Actes des Apôtres. D'accord. Tout ce que j'ai lu, c'est tout ce que je vois aujourd'hui dans le ministère que vous dirigez. Amen. Je me dis, aujourd'hui, la majorité des gens ont perdu la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent... Le Seigneur n'agit plus, le Seigneur a agi dans le temps, par le passé, mais aujourd'hui, il n'agit plus. On ne voit plus de miracles. Mais dans votre ministère, le Seigneur agit. Et par rapport à la révision de la Bible, que le Seigneur vous a mis à cœur, j'aimerais proposer, vraiment c'est une proposition audacieuse, je le dis quand même, j'aimerais proposer que vous puissiez ajouter tout ce que nous vivons aujourd'hui dans cette Bible-là. Si c'est possible, parce que les gens disent qu'il n'y a plus de miracles aujourd'hui, mais nous vivons des miracles. Alors, pour que les gens retournent au Seigneur, il serait mieux qu'on mette aussi tout ce que nous vivons aussi dans cette Bible. Comme ça, les gens disent que non, le Seigneur est toujours là. Ok, je comprends, frère, ce que tu veux dire. Et malheureusement, dans le canon biblique est déjà complet. Mais toutefois, ce que nous faisons, nous écrivons des livres de témoignages. Par exemple, TV des Vies va bientôt produire un livre essentiellement basé sur les témoignages que le Seigneur est en train de faire, toutes ses guérisons, ses délivrances, ses conversions, ses baptêmes en ce moment. Donc, c'est que des mails que nous recevons d'ici et là. Et des témoignages, hein, bien sûr, les guérisons, les délivrances. Donc, ce livre-là va sortir bientôt. Et aussi, il y a aussi des hommes comme toi, justement, mon frère, qui sont témoins oculaires, hein, de ces conversions, ces délivrances, ces miracles que le Seigneur opère, qui vont être, n'est-ce pas, comme des livres vivants allant ici et là pour témoigner de la gloire du Seigneur. Et okay. Il y a aussi des sites qui sont créés sur ça, des DVD qui sont imprimés, diffusés massivement pour que les frères et sœurs comprennent que Dieu n'a pas changé, que nous sommes en train de vivre présentement la parole, les actes des apôtres. Il y a aussi un site que nous avons mis en place qui s'appelle journalduréveil.org, donc www.journalduréveil.org. Un site où il y a toutes sortes de témoignages, hein, donc de toutes ces les témoignages de toutes ces guérisons, conversions, miracles, tout ça. Donc oui, tout à fait. Parce que les pères de l'Église, ils l'ont fait, ils ont écrit. On voit des livres, des sites comme le Néhémie, bien sûr, pour Afrique, où ils voyaient les témoignages qu'ils ont fait. Mais c'est toujours écrit en 1800, dans le 17e siècle, et les frères, ils pensent que c'était qu'avant. C'est ça. Alors que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
C'est vraiment dans ce sens-là que ben, les choses qu'ils ont fait ont béni le Seigneur. Quoi. Parce que quand on voit toutes ces guérisons, toutes ces conversions, samedi dernier à Paris, on a eu près de plus de 40 baptêmes. Amen, amen. Donc c'est quand même... voilà, on est pas... Le séminaire où les gens... C'est vrai, pas satisfait, mais on bénit quand même le Seigneur de ce qu'il fait. On ne peut Amen. Pas rester insensible à ce qu'il fait parce qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau la puissance de leur témoignage. C'est-à-dire mmh. que les témoignages sont là aussi pour glorifier ce que Dieu fait. C'est-à-dire que le Seigneur, à un moment ou l'autre, Jean-Baptiste, il a commencé à craquer mmh. parce que le Seigneur n'a, excusez-moi du terme, dans le sens où il était en prison, uh-huh. à un moment ou l'autre, il ne voyait plus les choses à faire, alors il commence à se poser des questions. Mmh. Et aussi, des fois, des frères et sœurs où le Seigneur n'agit plus, alors pour essayer d'en victimer les gens dans les coulisses. Ils continuent à appeler les gens. Appeler les gens, venez voir chez nous. Comme Dieu ne fait rien en même temps, alors ils ont commencé à en profiter à dire des choses. Mais ce qui est bien, ces gens, ces disciples de Jean-Baptiste qui sont venus voir Jésus, Jésus n'a pas commencé à parler. Il n'a pas commencé à se fatiguer avec eux. Il leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste, il y a ça, il y a ça, il y a des conversions, il y a des séminaires où les gens ne viennent pas après une heure de l'heure prévue, ils viennent trois heures en avant, non pas parce que, comment on appelle ça, c'est parce qu'il y a Jésus, simplement. C'est pas parce qu'ils sont idolâtres. Idolâtres, c'est trop facile. C'est trop facile de dire les gens sont idolâtres, mais non, c'est pas qu'ils sont idolâtres, c'est qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, on fuit. Amen, amen. C'est bizarre parce que Jean-Baptiste, c'est lui-même qui avait dit, voici l'anneau de Dieu. Hier, il avait témoigné, voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais après, quand il a commencé, il a perdu l'onction, excusez-moi du terme, en fait, quand c'était plus son temps. Mm-hmm. Il y a des gens, c'est plus leur temps. Mm-hmm. Alors qu'est-ce qu'ils font dans les coulisses? Ils invictiment les gens. Ils sont en prison. Ils sont emprisonnés, ils craquent. Mm-hmm. Ils ne voient plus Dieu agir, ils sont endettés. Alors comme ils commencent à craquer, bah, alors ils vont commencer à poser les psaumes. Allez voir, vraiment, allez dire, est-ce que c'est plus comme avant, c'est plus comme... Non, mais oui. Si c'était plus comme avant, ben venez, voyez. Mm-hmm. Personnellement, on était là avant. On se rend compte, c'est encore plus qu'avant. Oui, c'est plus comme avant, mais c'est encore mieux qu'avant. Amen. C'est ça qui est bien avec avant, Dieu. Avant, on ne voyait pas les handicapés marcher. Non, avant, on voyait pas toutes ces conversions en masse. Mais c'est terrible. Et puis, 200 000 euros en moins d'un an pour acheter cash. D'ailleurs, pour votre information, ce vendredi, nous allons signer définitivement. Amen. D'accord. Amen. Donc, on vous montrera les documents officiels. Il y a des choses même qui nous... En moins, en 5 mois, Dieu donne plus de 52 000 euros maintenant pour le projet de la Bible de Loufia. Amen, amen, amen. Donc, honnêtement, chrétien, c'est faux pasteur. Demain, on va attaquer tout ça, on va dénoncer ce charlatan encore. Même ceux qui appellent dans les coulisses, qui vous appellent, qui vont voir vos maris dans les hôpitaux pour prier pour eux, ce sont ces voleurs qui sont sorciers, qui vont imposer les mains et vous transmettre les démons. Frères et sœurs, nous sommes sur le mont Carmel. Ah bah, on ne peut pas s'empêcher. Que le pasteur ou le prophète qui a Dieu de son côté, qu'il ne le prouve par les œuvres, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est ce que l'évangile nous dit. Moi, je dis ceci devant les frères et sœurs. Les chrétiens sont fatigués. Les chrétiens sont fatigués. Je dis ceci. Que chacun amène son message sur le net. Que chacun amène ses vidéos sur Internet. Que celui avec qui Dieu marche, n'est-ce pas, ben, prouve, n'est-ce pas, par la prédication, par les signes que Dieu a avec lui. Et c'est ça, le ministère, mes amis, est devenu un sujet de blâme à cause de toute cette confusion-là que l'on voit actuellement. Et je crois qu'honnêtement, on n'a même plus le temps à toutes ces confusions, à toutes ces balivernes, tout ça, il faut aller au-delà, dans les eaux profondes. Oui, Nadia, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si ton micro est allumé. Je crois que c'est bon, c'est vert. C'est vert. C'est parfait. Allô. Oui, en tout cas, Dieu est grand. Mm-hmm. Oui, Dieu frère, allô. Il y a... Oui, je crois que j'ai compris. Merci, frère. Bon courage. Merci, au revoir. À vendredi, allô. Merci. Oui, à vendredi, merci. Dieu... Oui, Nadia, c'est bon. Oui. Dieu est vraiment grand. Ah. Il y a vraiment un vent nouveau qui arrive en Belgique, Amen. Notamment à Bruxelles, où effectivement Dieu manifeste sa puissance wow. à travers les miracles qu'il opère. Amen. Mais on ne voit pas toute son œuvre parce qu'il faut aller dans la rue. Mm-hmm. Il y a des témoignages dans wow. la rue de personnes qui n'ont pas entendu le message de vérité, mmh. mais qui sont effectivement fatiguées. Il y a des jeunes qui sont fatigués, qui ont été bernés par les églises, qui sont emprisonnés, comme notre jeune frère vient de le dire, 7 ans d'emprisonnement dans les églises paganisées, dans les églises de mensonges, où les jeunes ont besoin de cette révolution. Ils cherchent leur véritable Dieu. Mmh. Et effectivement, quand on parle, on évangélise dans la rue, on sent vraiment les jeunes qui se sont révoltés par eux-mêmes wow.
d'eux-mêmes sans véritablement avoir entendu le message de vérité, qui sont sortis, qui dénoncent, qui sont sortis des églises. Et c'est là où on se dit que Dieu opère. Il opère en coulisses. Et il y a vraiment un véritable vent nouveau qui arrive. Amen, 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 amen. À Bruxelles, où les jeunes vraiment se lèvent. Alléluia. C'est vraiment la jeunesse que le Seigneur a commencé à toucher. Amen. Et il touche aussi, et ça c'est formidable, parce qu'il il démontre vraiment qu'il est le Dieu des nations, parce qu'il touche aussi les Belges de souche, uh-huh, qui eux aussi, je pense, ont un ras-le-bol de ces églises où il n'y a pas de vie, où il n'y a que la mort. Donc il faut savoir que bon, la Belgique, voilà, a un gros passé, c'est un gros poids du catholicisme qui, mmh, règne, mmh, en Belgique. Et donc la forteresse de la religion est très très forte, mais on remarque que c'est le temps maintenant où le Seigneur veut toucher vraiment ce pays. Et la forteresse du catholicisme commence vraiment à se briser et à tomber. Amen. Donc, que Dieu soit béni en tout cas. Alléluia. Dieu est trop fort, frère. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Chora. Bonsoir. C'est Laurence. Laurence, bonsoir. Je voulais intervenir à propos de, justement, des guérisons. Moi, je voudrais bien les voir faire comme toi et prier pour les trisomiques. J'en ai jamais vu un prier pour les trisomiques. Jamais vu un prier pour les anormaux. Et que ces personnes-là guérissent. Et je loue Dieu, parce que j'attendais ça depuis très longtemps, de voir un envoyé de Dieu qui ose prier pour ces personnes soi-disant perdues. Incapables, la médecine ne peut rien. Ne peut strictement rien, ne peut pas changer les gènes. C'est ça. Et je loue Dieu et vraiment... Continue, quoi. Merci, ça, continue, merci. Continue, parce que c'est un bonheur. C'est un bonheur de voir toutes ces âmes délivrées, toutes ces âmes sauvées. Amen. Et gratuitement par le Seigneur, gratuitement. En plus. En plus. Que Dieu soit béni. Merci en tout cas. Et je crois que Yann, on pourra balancer quand même un peu là. Mes amis, écoutez bien. Et avant de balancer cette image-là, vous allez voir, frère, c'est terrible ce qui se passe dans le christianisme actuel. Que penses-tu un peu de tout ce que Dieu fait ici et là ? C'est merveilleux. Uh-huh. On m'entend ? Ouais, tout à fait. C'est merveilleux et que toute la gloire soit rendue au Seigneur, vraiment. Et qu'il est toujours le même éternellement. Et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. Et que ça continue. Amen. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1er. « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Donc, il donna à ses disciples le pouvoir de chasser, n'est-ce pas, les esprits impurs, qui sont à la base, bien sûr, de toutes sortes de problèmes, maladies, divorces, femmes de nuit, mari de nuit, tout ça. Et le Seigneur dit également de guérir... toutes sortes, hein, donc toute maladie et toute infirmité. Voici le nom de 12 apôtres. Le premier Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le cananite et Judas l'Iscariote, celui qui le livra, qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Les ordres, n'est-ce pas, suivants, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Attendez, on s'aperçoit ici que les brebis, hein, le brebis perdu de la maison d'Israël avait besoin de la guérison, avait besoin de la délivrance, n'est-ce pas? Comme actuellement, beaucoup des brebis du Seigneur sont perdues parce que elles ont été mal nourries, perdues parce qu'elles ont entendu ou elles entendent encore un évangile, n'est-ce pas, tronqué, un évangile édulcoré, mélangé à l'eau de rose. Et ces brebis du Seigneur sont dispersées ici et là, sont blessées, cassées, les vraies brebis, elles sont dépouillées, n'est-ce pas? Et c'est comme si le Seigneur dit aujourd'hui, n'est-ce pas, allez maintenant annoncer le retour, mon retour à mon peuple, hein, à mes brebis qui sont perdues.
qui sont volés, manipulés par des charlatans. Et le Seigneur dit, il dit quoi ensuite? Et allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Il a annoncé, il a demandé, c'est une instruction, c'est un ordre. Il a donné cette instruction en disant, n'est-ce pas, allez et annoncez l'évangile du royaume. Donc, une instruction claire a été donnée aux enfants du Seigneur d'annoncer l'évangile du royaume et non l'évangile qui parle des églises locales ou des dénominations. Et il dit quoi, le maître? Il dit, n'est-ce pas, et guérissez les malades, c'est un ordre. Guérissez les malades parmi mon peuple. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts, parce qu'il y en a qui étaient aussi bien morts physiquement que spirituellement. Et il fallait, n'est-ce pas, que ces deux types de morts soient ressuscités, réveillés, purifiez les lépreux. Alors ici, aujourd'hui, on peut voir les lépreux comme étant des personnes indésirables, des personnes non grata, rejetées des assemblées parce qu'elles vivent la sanctification. Pas de ceux qui sont rebelles à la vérité, mais de ceux qui aiment vraiment le Seigneur et qui veulent le suivre et qui sont considérés comme des, n'est-ce pas, lépreux. Et le Seigneur continue en disant, chassez les démons. D'accord? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà l'instruction. Voilà l'ordre du Seigneur. C'est un ordre. Et il disait dans Jean, mes amis, 15, 13, là-bas, 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, gardez mes ordres. Et il nous a donné un ordre précis, celui de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, d'annoncer l'évangile du royaume et, n'est-ce pas, de chasser les démons et de guérir les malades. Et il dit ensuite, un autre ordre, vous avez reçu gratuitement. Donc donnez gratuitement. Littéralement, guérissez les malades sans leur demander de l'argent. Alors, on va voir maintenant si cet ordre-là est respecté dans nos milieux évangéliques actuels. Qui pour moi, mes amis, à la lumière de la parole que je comprends, et pour moi, ce milieu est devenu une vraie mafia. Ce sont des mafieux, ces prédicateurs, n'est-ce pas? Et on va nous balancer quelques images, vous allez vous-même voir si ces hommes sont en accord avec l'évangile ou pas. Ici, on voit une conférence de guérison d'une association appelée, n'est-ce pas, AIMG, donc qui est une association suisse. D'accord? Alors, on nous dit bienvenue à la conférence voilà, sur la guérison. Et voilà les orateurs. On nous présente cet homme, un Américain, Bill Johnson, tout ça. On nous présente Matthäus van der Steen, qui est hollandais. On nous présente un, n'est-ce pas, Damien Stein, qui est catholique, bien sûr, hein, catholique et anglais. Et Jean-Luc Truchel, qui est en Suisse. Hein, c'est le patron de cette association. Carlos Payan, un grand écuméniste païen, donc voilà. Et Jean de Tours, un français, donc prêtre catholique. Donc c'est l'écuménisme à fond la caisse. Voilà. Et Werner Leimann, c'est un Suisse, pareil. Voilà, donc cette femme, une Suisse également. Et un français, donc responsable de la communauté jésuite de Saint-Paul, de Paul et exorciste du diocèse, enfin bref. On continue. On nous présente Alberto, je parle comme Malo France, d'origine libanaise, tout ça, catholique. Ouais, bref. Et alors, on va voir si c'est gratuit ou pas, comme le Seigneur nous l'a demandé. D'accord? Alors, inscription par Internet. Passe conférence, 3 jours. Tarif normal, 35 euros. Tarif réduit, 20 euros. Enfant de moins de 12 ans, c'est gratuit. Possibilité de s'inscrire à la journée. Aller à l'inscription. Participation libre aux offrandes. Tarif réduit, enfants de moins de 16 ans. Étudiants et personnes au chômage. Donc, vous vous rendez compte, frère, ça c'est... C'est-à-dire, les personnes qui sont au chômage vont devoir quand même payer, mais hein, donc avec un tarif réduit. Donc, vous vous rendez compte, chrétien, et les gens veulent qu'on se taise. On ne va pas se taire. Moi, j'attends que ces hommes et ces femmes portent plainte contre moi et que j'aille devant les tribunaux avec eux pour dire aux juges français, européens, combien ces hommes sont en désaccord avec ce que la Bible nous dit? Et à qui payent-ils leurs impôts? Parce que Jésus-Christ a dit,
vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et là, ce ne sont pas des pasteurs africains. C'est américain, français de souche, belge, anglais de souche. Vous voyez, frère? Donc, ça touche tout le monde. Et africain, et américain, et asiatique, et sud-américain, et européen. C'est, frères et sœurs, tout simplement de l'arnaque. Et quel est le site, soi-disant chrétien, qui fait la promotion, hein, mon frère Yann, de ces marchands de miracles? Eh ben, c'est votre site que vous suivez tout, que beaucoup suivent tout le temps. C'est top, le top chrétien. C'est pour cela, ce soir, je voudrais vraiment interpeller Eric Célérier, je ne sais pas quoi, hein, je ne sais pas qui, le propriétaire, le patron de ce site qui, mes amis, vous donne maintenant aujourd'hui du poison. Honnêtement, de qui se moque-t-on, hein? Et ils osent nous traiter, nous, de loups ravisseurs parce que nous dénonçons la pratique de la dîme. Et eux, qui se disent top chrétiens, ils sont en train, mes amis, comme vous le voyez vous-même, n'est-ce pas, de vendre la guérison, hein, de vous prêcher l'œcuménisme. Frères et sœurs, dites-moi maintenant, chrétiens, qui prêche la parole, qui prêche l'évangile? Honnêtement, prenez vos Bibles, vérifiez. Est-ce que Jésus, quand il a guéri les gens, quand il guérissait les gens, est-ce qu'il leur demandait de l'argent? Honnêtement. Et on va jusqu'à spolier les chômeurs. Honnêtement, frères et sœurs, vous pensez que ces hommes prêchent l'évangile réellement? Non. Vous pensez que ce site internet vous annonce l'évangile réellement? Non. Et croyez-moi, pour l'amour du Seigneur, pour l'amour des âmes, pour l'amour des chrétiens, pour l'amour des pauvres qui sont spoliés, dépouillés, volés, je ne me tairai jamais. 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 Et c'est honnêtement, c'est le monde à l'envers. Hein, c'est un système antichrist. Ce sont des sites antichrist qui prêchent un autre message. Et j'interpelle Eric Célérier, je ne sais pas quoi, le propriétaire de Top Chrétien, de, n'est-ce pas, se repentir, de revenir à Jésus, si c'est encore possible pour lui, n'est-ce pas, ou encore de sélectionner, de regarder bien, hein, les annonces, hein, que les gens lui envoient. Parce que vous êtes en train d'induire le peuple du Seigneur, hein, en erreur. Vous êtes en train de conduire le peuple du Seigneur dans le trou. Et vous aurez des comptes. Nous aurons des comptes tous à rendre au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Honnêtement, il faut se repentir. Nous devons nous repentir et revenir à Dieu, à la vraie parole. On va balancer d'autres images. Merci mon frère Yann. Voilà, marcher par l'esprit. Alors, marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi, bien sûr. Alors là, nous allons voir, mes amis, c'est la porte ouverte. Hein, donc, porte ouverte. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh ben, c'est un événement, n'est-ce pas, diffusé sur quel site, Yann? Je crois que c'est Top Chrétien. Top Chrétien toujours. Alors, allons voir un peu ce qui se passe. Enseigner, former, équiper. Voilà, donc ce sont bien sûr ici, c'est des anglophones, hein, donc je pense que c'est des Américains. Français, ce sont des Français. Ce sont des Français. Alors combien ça coûte, le tarif c'est combien? 180 euros 50 centimes par personne. En pension complète, tarif couple 340 euros. Hein? Chrétien, vous pensez que ça c'est la Bible? Vous pensez vraiment que ça, c'est l'évangile chrétien? Vous pensez vraiment que ça, c'est ce que Jésus nous a recommandé? Matthieu 10 le dit clairement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oh, top chrétien, vous avez bien commencé, je pense. Mais aujourd'hui, vous êtes mal tombés. Vous êtes devenus des marchands du temple, n'est-ce pas? Et d'autres marchands comme vous se servent de votre plateforme, de votre site, n'est-ce pas, pour spolier les chrétiens, pour arnaquer les chrétiens, et nous n'allons pas nous taire. Traînez-nous devant les tribunaux, nous allons vous dénoncer devant les juges de ce monde aussi. Voilà. Nous allons nous défendre devant les autorités françaises parce que vous êtes en train de voler les chrétiens, n'est-ce pas? Et même la France, qui est un pays aujourd'hui laïque, n'est-ce pas, ont un système de couverture sociale pour
c'est-à-dire les gens qui se soignent sont remboursés intégralement. Un pays païen qui rembourse les soins médicaux de ses, n'est-ce pas, ses sujets, de ses habitants. Et vous qui êtes chrétien, vous à qui, soyez, vous qui vous dites chrétien, à qui Jésus-Christ a donné un ordre précis en disant que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, vous vous mettez à faire du commerce en se servant des dons que Dieu vous a donnés, à moins que vous ayez reçu ces dons de Lucifer, là on comprendrait. Mais honnêtement, de qui se moque-t-on? Et nous n'allons pas nous taire, loin de là. Loin de là. Loin de là. C'est vraiment le monde à l'envers. Mes amis, 340 euros pour une formation de quoi? 3-4 jours? Même si c'est une formation d'une seconde. Comment font-ils les pauvres? La France connaît une situation, vit une situation de crise. Les nations, le monde, l'Europe. Et vous, vous venez avec un évangile, n'est-ce pas, qui demande autant d'argent aux chrétiens? Mais c'est l'église de Laodicée. Nous sommes au temps de l'église de Laodicée. L'église très riche financièrement, matériellement, mais une église qui est devenue aveugle, pauvre, misérable, nue. Qui a rejeté Jésus, qui a expulsé le Seigneur de son sein et qui a fermé la porte de son cœur à la vérité, n'est-ce pas? Et c'est grave. Vous voyez vous-même les guérisons que le Seigneur opère ici et là. Frère, c'est gratuit. Les témoignages sont là. C'est gratuit comme la parole le dit, n'est-ce pas? Il faut que nous revenions à la parole véritable. Nous allons voir certainement d'autres images, hein, c'est possible. Voilà. Du 19 au 28 octobre, Israël dans la gloire. Inscrivez-vous. Alors ça, c'est le voyage avec Rémi Emmanuel Bale en Terre Sainte. Donc ça, c'est carrément, n'est-ce pas, Israël est devenu aujourd'hui carrément la Mecque, hein, de beaucoup de chrétiens, hein, le Vatican de beaucoup de chrétiens évangéliques. Hein, donc ils vont se ressourcer au Jourdain là-bas, ils vont se ressourcer, ils vont prier sur le mur de Lamentation. Et voilà, donc 1150 euros. Voilà, donc c'est vraiment comme si les gens ne sont pas capables de voyager tout seuls. Hein. Voilà, je suis allé en Israël tout seul, hein, et j'ai pu visiter certains sites touristiques. Et voilà, et j'ai payé moins cher, hein, que ce que l'on vous propose, la frère et sœur. Voilà, c'est quand même grave. Il faut arrêter d'arnaquer les chrétiens. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Hein, Yann, on va continuer dans la diffusion de ces images, hein, pour que les chrétiens comprennent. Mais nous sommes sur le mont Carmel. Voilà. Que les vrais enfants de Dieu maintenant comparent, n'est-ce pas? Regardent, jugent. Parce que nous sommes appelés à juger, nous, chrétiens, pas condamner, mais juger, c'est-à-dire discerner. Discerner qui sont ceux qui sont de Dieu et qui sont ceux et celles qui ne le sont pas. Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Jésus, notre maître, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné la nourriture aux gens gratuitement. À deux reprises, il a nourri, n'est-ce pas, des foules de gens. Une fois, 5000 personnes, sans les femmes ni les enfants. Hein, donc, sans compter les femmes et les enfants. Une deuxième fois, 4000 personnes, 4000 hommes également, sans compter les femmes et les enfants. Et tout cela gratuitement. Il a guéri les aveugles, les sourds. Il a réveillé les morts. Et il a tout fait, n'est-ce pas? Il a soigné les gens gratuitement. Et Paul a agi de la même manière. Le Seigneur Jésus-Christ a dit clairement, frères et sœurs, dans Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, Apocalypse 21, 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Voilà ce que le Seigneur, notre maître, nous dit. Apocalypse 22, verset, n'est-ce pas, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça, c'est ce que Jésus nous dit, frères et sœurs, à chaque fois. Donc, après sa mort et sa résurrection, il a gardé son message. Il a continué dans le même message, frère. Et nous sommes dans Ésaïe, chapitre 55. Nous lisons, mes amis, à partir du verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Voilà. Donc
pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Ces enseignements ne vous nourrissent pas parce que ce sont des enseignements payants. Donc Dieu n'est pas dans cette affaire-là, mes amis. Voilà, le Seigneur a chassé les voleurs du temple. Et aujourd'hui, nos bâtiments d'église, nos maisons d'église sont remplies de marchands du temple, frères et sœurs, qui vous vendent leurs dons, qui vous vendent leurs CD, hein, leurs chants, leurs ouvrages, leurs bibles. Tout ça, c'est du, mes amis, c'est du vol. On balance quelques images. Yann, merci, l'équipe technique. Voilà, Paris pour Christ. Voilà, Paris pour Christ, qu'est-ce qui se passe au Bataclan? Hein, nous avons une conférence ici, et même des ministères comme Claude Hood, qui malheureusement est devenu aussi un marchand du temple, hein, donc c'est la méga church à l'américaine, et voilà, et là ce sont des Canadiens, hein, donc quelques Canadiens, et là c'est hein, pour la conférence, là, qu'est-ce qu'on nous propose ici pour ce séminaire? Voilà, on va nous montrer ça en grand, voilà, c'est voilà, séminaire intégral, 35 euros par personne, séminaire journée, 20 euros par personne, hein. Donc, honnêtement, frère, honnêtement, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Maintenant, cette église de Laodicée, mes amis, a touché pratiquement tout le monde. Et les Blancs, et les Noirs, et les Maghrébins, tout le monde est touché, tout le monde est affecté par cet esprit de cupidité, cet esprit de Balaam, Balaam qui aimait les honneurs, qui aimait les finances, l'argent, n'est-ce pas? Et la parole nous dit dans Jude, mes amis, dans Jude, Jude, oh Dieu, sauve-nous. Jude nous dit, n'est-ce pas, au verset 11, Jude 1, 11, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire, pour un appât de gain. Hein? » hein? Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Balaam aimait un salaire. Voilà pourquoi ces hommes, mes amis, aiment le salaire. Et ils sont touchés par l'esprit de Géasi. Géasi qui a, comme vous le savez, dans 2 Rois chapitre 5, frères et sœurs, hein, et Géasi qui a accepté, n'est-ce pas, qui a couru après le général syrien Naaman pour exiger, mes amis, de l'argent, des présents, alors que le prophète Élisée qui avait prié pour sa guérison avait refusé de prendre cet argent. Mes amis, ses richesses. Et Géasi, son serviteur, mes amis, a couru après cet homme. Nous sommes dans l'église de Laodicée, une église remplie de prédicateurs, de pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, conférenciers, séminaristes, tout ça, qui sont touchés par l'esprit de Géasi. Ce sont des Géasites. Voilà. Et nous vivons actuellement un réveil du Géasisme. C'est-à-dire l'esprit de Géasi, la doctrine de Géasi. Le fait de courir après, de proposer l'argent aux malades pour prier pour leur guérison. Voilà. Et ça, c'est du vol, tout simplement. Celui qui va me prouver le contraire, celui qui va me donner un seul verset où Jésus-Christ a exigé de l'argent, a exigé un salaire de l'argent à quelqu'un avant de prier pour lui, eh bien, si quelqu'un peut me prouver cela, me donner ce verset, j'arrêterai de dénoncer ces voleurs. J'arrêterai de dénoncer ces charlatans, je me repentirai publiquement. Et comme il n'y a pas de verset pareil, similaire, il n'y a pas de tel verset, frère, je continuerai, mes amis, à parler, à dénoncer comme Dieu me l'a demandé, au nom de Yeshua. Ça, c'est du vol. C'est vraiment du vol, frères et sœurs. Alors, on a quelque chose d'autre. L'image. Donc, on a une image. Voilà. Comédie musicale. Voilà. Église de Saint-Joseph de la Louvière. Louvienne ou Louvière, je ne sais plus. Voilà. Les 10 commandements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà. On va agrandir cela. En pré-vente à partir de 12 ans, 6 euros. Hein, 6 euros. Sur place, 8 euros, n'est-ce pas? Et honnêtement, on ne sait plus où se donner la tête. C'est vraiment l'église de Laodicée. C'est vraiment l'église de Laodicée. C'est vraiment Laodicée, mes amis. Et on va encore lire deux passages. Laodicée, nous sommes dans Apocalypse, chapitre, mes amis, chapitre 3. C'est vraiment Laodicée en grande force. Hein? Donc, Apocalypse 3. À partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Voilà, c'est cette église-là. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi, frères et sœurs. Voilà, c'est l'église de Laodicée. C'est voilà pourquoi ces hommes sont devenus très riches en vendant l'évangile, en vendant les miracles, les guérisons, tout ça. Et qu'est-ce que Paul, notre frère, hein, qui nous a précédé, nous a dit dans Actes chapitre 20. Qu'est-ce que Paul nous apprend ici, n'est-ce pas? Actes chapitre 20, nous lisons à partir du verset 28. Pardon. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu vivant, hein, du Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce et à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu aux besoins, à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oh Seigneur, où sont des hommes comme Paul? Où sont des docteurs, des enseignants comme Paul aujourd'hui qui dispensent gratuitement l'évangile? Je ne désirais, disait-il, ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Où sont ces prédicateurs, frères? Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font? Ils font le contraire. Ils disent quoi? Nous désirons votre argent, nous désirons votre or, nous désirons vos vêtements, nous désirons vos maisons, nous désirons vos chaussures, vos voitures, nous désirons même jusqu'à aller à désirer vos propres femmes. N'est-ce pas? C'est terrible, vos enfants. Oh Dieu, sauve-nous. Que Dieu nous aide, chrétiens. Je sais que ce type de message peut provoquer de la colère dans les cœurs des religieux, la fureur. Mais frère, nous n'allons pas nous taire, croyez-moi. Au nom de Yeshua, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à parler. Au nom de Yeshua, on a quelqu'un, quelque chose là-bas, d'autre? Non. L'image, on peut balancer, ouais. Retraite pour célibataire, voilà le monde dans lequel nous sommes, frère. Coup par personne, hein? Oh Seigneur, sauve-nous. $115, hein? Retraite pour célibataire, $115, taxe incluse, hein? Rabais de 10%, obtenez un rabais de 10% en étant accompagné d'un ami jamais venu au camp. On est dans quel monde? On est dans quel monde? On est chrétien. Je ne sais pas, les frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez à dire un peu là, hein? Moi, je voudrais partager en fait par rapport au voyage sur Israël. D'accord. Parce que j'ai eu l'occasion en fait d'aller en Israël une première fois. D'accord. Justement à travers un. Le micro. Hein. À travers un programme comme on a vu là à l'image. Mm-hmm. Et où justement, il y avait un guide, j'ai dû payer une certaine somme, enfin une somme quand même importante. Combien ? J'ai payé, le prix était de 999 euros. D'accord. Et au final, avec des pourboires, des choses qui n'étaient pas comprises dans le prix de départ, ça fait à peu près 1000 euros et quelques, 1020 ou peut-être 1050, je ne sais plus exactement. Et donc, je suis partie une première fois. Et la première fois, justement, je me suis rendu compte que c'était... on était, en fait, dans des bus. Et là, on était dans des aquariums, en fait. Le Seigneur me disait, tout ce que tu vois, en fait, c'est que des touristes. Parce que là-bas, en Israël, c'est beaucoup de touristes, de pèlerins qui y vont. Et malheureusement, ceux qui se disent... évangéliques dans ce milieu, beaucoup prennent, font beaucoup de voyages comme ça en Israël, à leur tour, ils deviennent des pèlerins, c'est ce que le Seigneur me disait. Mmh. Et vraiment, je voudrais dire que non, gardez votre argent, parce que le Seigneur m'a amené une deuxième fois à retourner en Israël
avec une sœur en Christ. Et là, on est partis toutes les deux avec le Seigneur, sans guide. Personnellement, on est partis ensemble. Et là, on a été là où le Seigneur nous disait d'aller et où on n'aurait jamais été avec les guides et où on pouvait parler du Seigneur. Et vraiment, là, je confirme qu'on a vraiment même fait des économies. On a vraiment payé moins cher. On a été là où peuvent aller ceux qui font des pèlerinages. Et donc, vraiment, je n'ai qu'à dire de sortir de ça et de ne pas garder votre argent et garder là pour faire des offrandes comme le Seigneur vous met à cœur ou donner à ceux qui sont dans le besoin. Et de vraiment sortir de tous ces séminaires où moi aussi j'ai été, des camps, des choses comme ça. Tu payais aussi ? Oui, aussi. Wow. Et vraiment, sortez, quoi, fuyez, ne donnez pas votre argent pour aller dedans. C'est une perte de temps et le Seigneur n'est pas là-dedans. Et revenez vraiment à l'évangile pur du Seigneur et ne vous laissez pas séduire par tout ce que vous voyez, tous ces séminaires, tous ces programmes qui vous sont présentés avec des belles affiches, souvent, belles affiches, des belles paroles, quoi. Des belles photos, des poses de séducteurs, frères, sont des séducteurs. Parce que qui se mettent en exergue, qui se mettent en avant et qui mettent le Seigneur, qui le relèguent à la dernière place, à la dernière position, n'est-ce pas, au second plan, voilà. Parce que vraiment, si, voilà, c'est, concernant par exemple Israël, bah, voilà, si le Seigneur vous met à cœur, c'est possible d'y aller avec le Seigneur, mais fuyez tous ces séminaires, tous ces guides, tous ces voyages qui ne sont que des voyages touristiques et nous ne sommes pas là pour être des touristes. Et revenez vraiment au Seigneur. Revenez vraiment au Seigneur et son évangile pur. Voilà. Quelqu'un d'autre voulait peut-être voilà, parler ça. Voilà, le micro. Oui, moi, je voulais juste rajouter, comme je l'ai dit, je crois, le vendredi, aux réunions de réveil, ces dirigeants ou ces l'ange de l'église de la Odyssée, comme on voit faire leur pub là. Mmh. Et aujourd'hui, ils veulent à tout prix acquérir des biens, c'est amasser de l'argent. Mais ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est vrai, ils ont l'argent, comme on les constate. Ils construisent des méga church, tout ça. Ils ont l'argent, ils ont l'or, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont plus le Seigneur. Ils ne peuvent plus dire, comme Pierre et Jean pouvaient dire, ce que nous avons, nous te les donnons. Lève-toi et marche. Aujourd'hui, ils n'ont plus Christ. Ils n'ont plus le Seigneur en eux. Ils n'ont plus dire, ils peuvent plus dire lève-toi et marche. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracles dans les églises. Les gens viennent malades et ils ressortent encore mille fois malades dans les églises. Et on voit dans des églises des gens infirmes. Tu es à l'église depuis plus de 7 ans, 10 ans, la personne infirme et il n'y a pas de changement. Il y a des gens qui... Et il y a une chose que vous avez dit, je crois, il y a quelques jours dans une émission, que le Seigneur vous a dit, les serviteurs de Dieu ont sacrifié les âmes. La plupart, ce n'est pas seulement qu'ils ont été voir les diables lui-même, mais juste avec cet évangile qu'ils ont introduit, ces faits étrangers dans l'église a apporté la mort. Et vous avez dit une chose, il y a aujourd'hui dans des églises beaucoup de fausses couches. Et ça, moi, je l'ai vécu. Dans ton assemblée avant. Oui. Et... il y a aujourd'hui beaucoup plus de choses où, parce que la Bible dit, là où est l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a la présence du Seigneur, ces choses ne peuvent pas se manifester. Ou soit le Seigneur est là, ou soit le Seigneur n'est pas là. Ouais. Mais là où est le Seigneur, vraiment, il y a la liberté. Mais on voit aujourd'hui beaucoup plus le malheur chez les enfants de Dieu dans les églises. Alors que quand on est dans le monde, ils accouchent facilement. C'est ça. Tout se passe facilement. Mais une fois à l'église, mais c'est comme si c'est le monde à l'envers. Quoi. Aujourd'hui, ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont l'or. Ils peuvent se procurer, faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont plus le Seigneur. C'est ça. Le Seigneur n'est plus dans pour les églises. Pour compenser cette absence du Seigneur, de la présence du Seigneur dans leur vie, dans leur ministère, dans leurs assemblées, eh ben, ils vont se créer des connexions, ils vont se connecter les uns aux autres. Donc c'est devenu, c'est comme un filet,
Hein, donc, ils tissent des alliances, en fait. Hein, comme Daniel le dit, hein, Daniel 2 le dit, ils se mêleront par des alliances humaines, hein, pour être forts. Donc, il y a l'argile et le fer. Donc, en révisant la Bible, je me suis aperçu que le mot alliance, le mot hébreu traduit par alliance dans Daniel 2, signifie littéralement semence. Donc, ils vont se mélanger les semences. Or, là, c'est le sperme, carrément, là. C'est la vie. Donc, ils vont amener les chrétiens, n'est-ce pas? Ils vont mêler vos vies aux démons, hein, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 10. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc, c'est terrible. C'est pour cela qu'ils sont très liés, ces pasteurs, entre eux. Ils s'invitent mutuellement pour faire des séminaires dans leurs assemblées, n'est-ce pas? Pour attirer les âmes dans leur trou, hein, dans leur prison. Et c'est terrible. Et demain, frères, on va vous parler avec les frères de Belgique qui sont là encore témoigner, et d'autres frères, la vision que le Seigneur m'a donnée par rapport au diable, comment le diable est venu me voir. J'en ai déjà parlé, mais demain, on va parler encore, frères, à la lumière de la parole. Vous allez voir en quel temps nous sommes. L'heure est grave. L'heure est grave. Et il y en a qui sont des vrais appelés de Dieu, mais c'est juste comme nous sommes sortis de cette parole. Et voilà, et le diable, c'est lui-même qui s'est introduit, infiltré dans les églises. C'est ça. Et maintenant, il a élu des maires dans les églises et il n'y a plus rien. Non, c'est fini. L'acte et les livres des actes des apôtres, on ne les voit plus aujourd'hui dans les églises. Alors que la Bible dit, tous les jours, le Seigneur rajoutait des gens qui étaient sauvés et il se faisait des miracles tous les jours. Mais aujourd'hui, il n'y a plus des gens sauvés, rajoutés à l'église et il n'y a plus de miracles. C'est ça. Voilà. Et dans la version de Martin, justement, que nous sommes en train de traduire aussi, il est dit aussi que le Seigneur a jeté à l'Église les gens pour être sauvés. Ça, c'est ce que nous allons... on a mis ça en place, on a révisé ça. Donc, ça veut dire que ça rejoint 1 Corinthiens 14 où Paul disait que si dans une assemblée locale, tout le monde se met à prophétiser, tout le monde prophétise et qu'un inconverti vient, les secrets de son cœur sont dévoilés, il tombera par terre en disant que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc du coup, dans ce bâtiment d'église, les gens viennent hein, pour être sauvés, mais ils sont transformés. Hein, ils deviennent deux fois pires qu'avant. Et ils deviennent les fils et les filles de la GN. Et ils ne sont pas sauvés, c'est-à-dire libérés, guéris. En fait, le Seigneur a laissé l'église sur terre comme un hôpital en même temps. Pour que les infirmes, les païens, les malades, les possédés viennent lors d'une réunion d'église et reçoivent la guérison, la délivrance, le salut. C'est ça en fait. Donc malheureusement, c'est pratiquement plus le cas aujourd'hui. Voyez. Et il y a une chose, j'ai partagé avec les sœurs en venant, c'est que j'ai été surpris de voir la chorale qui va faire le concert public, et au point même de dire il y a des gens qui doivent acheter des billets VIP. Non, mais c'est exactement ce qui se passe. Des importantes personnes. Alors, toutes les personnes qui viendront, forcément, devant le Seigneur, nous sommes tous égaux. Mais là, maintenant, il y a aussi une distinction parmi les gens. Il y a des gens qui sont plus importants et qui auront la première place. Mm-hmm. Et les autres qui n'ont rien, forcément, ils vont se retrouver dans la foule ou derrière là où on l'est. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est déplorable l'état de nos églises. Et voilà, c'est pour ça qu'on est un peu révolté. Que Dieu nous garde. En tout cas, Nadia. Oui. Moi, je voulais rajouter qu'il y a énormément d'églises aussi à Bruxelles où il y a des morts. D'accord. Il y a des cas de morts physiques. De morts physiques. D'accord. De suicides. Les jeunes se suicident. Ou des membres de familles qui fréquentent ces églises, les personnes qui fréquentent les églises, les familles sont touchées par la mort, par le suicide, par énormément de cas de folie aussi. Waouh. Donc, frères et sœurs, bon, la dangerosité de fréquenter ces églises-là, non seulement il n'y a pas de guérison, ça pouvait encore passer, mais ces églises entraînent la mort, entraînent des maladies. Donc c'est vraiment un cri d'alarme vraiment qu'on sonne, parce qu'on est témoin de tout ça, on le voit. Donc vraiment sortez de ces églises-là, parce que vous entraînez vraiment vos familles à la mort. Ce ne sont plus des églises de vie. Donc c'est des églises qui amènent la mort.
Tout à fait. Oui, oui, il y a beaucoup de cas de suicide, surtout la jeunesse. Le frère parlait d'enfants qui sont touchés, les cas de fausses couches, etc. Effectivement, on sacrifie beaucoup d'enfants dans ces Toi églises. Qui as vu l'enfer, hein, Nadia, d'ailleurs, ton témoignage sur YouTube, Dailymotion, tout ça, et touche beaucoup de personnes. Et hein, merci Seigneur hein, pour l'œuvre que tu fais, papa. Et il y a plus de 200 et quelques vues déjà. Et toi qui as vu l'enfer, à qui le Seigneur fait cette grâce, et je pense que tu ne peux plus te retrouver dans ces boîtes à sardines, dans ces boîtes, dans ces prisons. Je crois que tu vas aussi beaucoup aider cette jeunesse et les interpeller pour justement ne pas se faire avoir par ce charlatan. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est fini par la grâce qui m'a été faite. Vraiment, le voile est tombé. Et effectivement, je témoigne beaucoup de tout ce qui se passe dans ces églises et que j'interpelle les gens par rapport au salut en disant mais d'écouter, d'accord, mais écoutons quand même d'une oreille et allons chercher la vérité parce qu'il s'agit du salut. Il s'agit de notre vie éternelle. Par la suite, donc, essayons quand même de sonder et de chercher où se trouve véritablement la vérité et de ne pas condamner, effectivement, toutes ces personnes qui sortent de ces églises, qu'on traite de rebelles, comme notre frère ici, qui lui est isolé, même sa famille l'a témoigné en venant sur le chemin, est isolé, on est traité de personnes rebelles. Et donc voilà, on ne peut plus être enfermé dans ces boîtes-là. Ça, c'est impossible. Quand on a vraiment eu en face de soi la vérité de l'existence aussi de certaines choses spirituelles, on ne peut plus se laisser enfermer dans ces églises. Ça, c'est certain. C'est quand même incroyable. Et quand on voit ces choses, effectivement, Loufiane, et toi, que l'on appelle encore dans les coulisses pour... essayer de te... Je sais pas, ils sont quand même courageux, ces charlatans, quand même, ces vendeurs, ces marchands de miracles. Non, mais en fait, c'est... ils se rendent pas compte, en fait, que... On se dit, en fait, comme l'apôtre Paul disait à Tite, là-bas, dans Tite 1, 11, à un moment ou l'autre, ils doivent un peu... On se doit de leur dire, faut arrêter. Parce qu'il y a des familles, ils bouleversent. Bon, l'apôtre Paul disait qu'il bouleverse beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles qui sont bouleversées. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont le sang entre leurs mains, en fait. Des âmes qui meurent et que le Seigneur a payé un grand prix pour eux. Un moment ou l'autre, je sais une chose, que Dieu est lent à la colère. Il est patient, mais un moment ou l'autre, il dit stop. Et que chacun de réaliser où allons-nous, en fait, à l'heure d'aujourd'hui ? Nous voulons aller au ciel ou nous voulons aller dans le lac de feu pour l'éternité ? Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait ce qu'il doit, à quoi il doit revenir au Seigneur et pratiquer ce que le Seigneur a demandé dans sa parole ou ben, de faire ce qu'il veut faire. Un jour ou l'autre, en tout cas, le Seigneur mettra fin au règne de tout un chacun. Et d'ailleurs, la parole le dit que ces choses doivent arriver. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut sonner la trompette pour que les chrétiens, les gens qui veulent aller au ciel, ne se fassent pas avoir. Et effectivement, Paul disait également qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Donc effectivement, quand on les voit habillés en costume et cravate, avec leur pose, leur photographie ici et là, et on se dit, waouh, quel pasteur, quel prédicateur. Mais en fait, frère, ça c'est de l'appât, c'est un appât, c'est pour vous attirer et à eux. Ils amènent les gens, non à Dieu, mais à eux, n'est-ce pas? Ils vous prêchent l'évangile, c'est leur évangile, pour vous attirer dans leur bâtiment, dans leur maison d'église, dans leur programme, et non à Dieu. Et ça, c'est terrible. Je ne sais pas si on a autre chose, équipe technique. Non, je pense que c'est bon. Et voilà, on a quelque chose encore? Ok, on va balancer. Voilà, donc alors voilà, donc on a d'autres stars ici, alors c'est du gospel ce que je vois là, hein, donc de Montréal, voilà, donc alors là nous avons un tarif 10$ avant le 3 mars, $20 à l'avance, 25 à la porte, Seigneur sauve-nous. Vraiment, on ne sait plus. Hein. C'est-à-dire, on se dit, mais est-ce qu'on rêve ou est-ce que c'est gratuit enfant de moins de 10 ans? Donc, si vous avez un enfant de 11 ans, voilà, il va falloir qu'il débourse 20€ ou $20. Et voilà, donc c'est vraiment du n'importe quoi. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce qu'on peut augmenter un peu le son, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
Est-ce que je suis en direct, s'il vous plaît? Oui. J'appelle une présidente du l'acteur Marie-Paul. D'accord. Allô? J'appelle pour vous parler et pour vous encourager dans votre ministère. Ça fait environ 3 ans que j'ai connu le Christ, 4 ans que j'ai connu le Christ. Et j'étais à Chypre. Et est-ce que lorsque vous m'a touché et la seule personne qui m'a dirigé un mois, c'était vous. Dans un sens, je vous ai vu. Vous n'avez jamais connu Chora plutôt. Jamais connu la radio ou télévision. Mais le Seigneur m'a conduit vers vous. Et je vous ai dit, Seigneur, on me parle de Béni Hill. J'ai présenté certains hommes de Dieu. On m'a dit non. Il m'a dit, suis Chora, suis celui que je te dis. J'ai continué à vous suivre. J'ai continué à suivre vos messages. J'étais édifié. C'est par là que j'ai mûri, j'ai grandi. J'ai abandonné beaucoup de choses grâce à votre ministère. Amen. Mais en 2012, quand je suis descendu au Cameroun, je suis de l'origine camerounaise. Et je me posais la question de savoir comment au Cameroun, il y a vu qu'il n'y a pas trop d'internet. Comment je vais faire pour m'édifier? Il faut que je lise en dehors de la Bible. Et partout, on vendait l'évangile. Je suis allé dans un ministère au Cameroun, Winner Chapon, pour acheter le livre. Je me rendais compte. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement. Mais je me retrouvais à acheter le livre à 10 000 parce que j'avais peur de la parole. J'ai acheté 2 documents à 20 000. Moi, n'ayant pas l'argent, mais j'avais soif de la parole. J'ai pris ce livre, je suis arrivé à la maison. Après, je n'avais même plus le goût de lire. Parce que je ne trouvais pas vraiment. Je n'étanchais pas ma soif. Et j'essayais toujours à me connecter partout. Dès que je suis arrivé en France, ça fait 1 an, je suis toujours connecté à ces églises. Et par rapport à la gratuité de l'évangile, que Dieu vous bénisse vraiment et vous fortifie. Allez de l'avant. Ce que vous prêchez, moi je ne vous ai jamais connu. Je suis camerounais. Et j'ai reçu ça en 2010 que vous êtes un envoyé de Dieu. Donc que le Seigneur bénisse votre ministère. Amen. Parce que ça m'a délivré, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de voir. Et la grâce que j'ai eue, le Seigneur ne m'a pas permis de passer par les assemblées. Parce que je fuyais ça depuis des années. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni, ma soeur. En tout cas, bonne continuation. Vous l'avez reçu gratuitement. Marchons, chrétiens, ouvrons les yeux. C'est gratuitement. J'ai lisé la Bible, mais rien, je ne voyais pas autour de moi les gens qui faisaient pareil. Mais depuis le jour, depuis octobre 2010, le Seigneur m'a conduit vers le frère Chora. Les voix sont tombées. Et je suis délivré. Amen. Je bénis Dieu pour vous. Et que bonne continuation. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu soit béni. Alors, pour jeter le discrédit sur les frères et sœurs qui prêchent ce message, l'évangile tout simplement, qui prêche Christ, eh ben, ils vont nous salir, hein, ici et là. Ils vont essayer, plutôt, je dirais, traitant de d'antéchrist, magicien, sorcier, tout ce que tu veux. Et en disant même que nous, ils m'ont vu rentrer dans une chambre, hein, la chambre d'une femme sur la plante des pieds. Voilà. Que Dieu vous bénisse, en fait. Voilà. Donc, tout ça, c'est, vous n'allez plus tromper les chrétiens. Les vrais chrétiens ont déjà les yeux ouverts. Donc c'est fini et que Dieu soit béni en tout cas. Et je ne sais pas s'il y a autre chose. Ouais, c'est Timmy, mon frère. Oui, en fait, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure là. On voit que le monde est vraiment rentré dans l'église. Uh-huh. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on nous allions dans les boîtes, dans les discothèques, il y avait des conditions par rapport aux âges et on le revoit dans l'église aujourd'hui. Tu as vu même ça par rapport aux tarifs. Et quand je vois la manière dont ils donnent leurs critères, donc ça veut dire que Jésus-Christ à son époque devait demander des fiches techniques pour savoir si on est étudiant, uh-huh, si on est au chômage. Et derrière ça, c'est subtil. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec l'informatique, en fait, avec ces inscriptions, on crée des databases. Et on sait que les databases se vendent très cher aujourd'hui. Aha. Donc, en fait, quand on pousse la réflexion, on peut aller très, très loin. En fait, ils peuvent aller loin pour avoir de l'argent. Et c'est vraiment choquant. C'est-à-dire que,
Pour qu'ils sachent qu'on est étudiant, on doit apporter soit sur l'attestation de l'école ou la carte. Pour savoir si on est au chemin pour bénéficier de cet avantage, il faut amener. Donc, ils ont en fait une vue sur tout ce que vous avez dans votre vie, en fait. Le contrôle. Voilà. Et c'est vraiment du vol, c'est l'escroquerie. Mmh. Et les fiches techniques, les fichiers des données, on vend ça dans les grosses boîtes, aujourd'hui, Bouygues Télécom, ceci, là, ils se font de l'argent avec ça parce qu'après, c'est du marketing qui court derrière. Vous recevez des mails et tout ça à cause de ça. Okay. Ils font des alliances avec ces sociétés-là et puis ils balancent. C'est du fric qui rentre, que personne ne voit. C'est ça. C'est vraiment choquant. C'est le monde, en fait. C'est même pas les églises, c'est du monde. C'est le monde. Ouais, Olga. Le marketing est rentré dans les églises, le management, tout ça. Et en fait, tout est fait pour rendre les gens captifs parce qu'on devrait présenter Christ. Et quand Christ n'est pas présenté, donc c'est normal qu'il n'y ait plus de guérison, miracle, tout ça. Mmh. Donc, si on voit des miracles, guérisons, en fait, on doit aussi présenter Christ pour que les gens ne se confient pas justement aux hommes de Dieu, mais tout d'abord à Dieu lui-même. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, après avoir été utilisés par le Seigneur, maintenant, en fait, ils ont pris la place du Seigneur. Mm-hmm. Et c'est ce qui est grave parce que les âmes sont blessées, tout ça. Ils pensent qu'on sera guéri, mm-hmm. mais en fait, ils tombent entre les mains des loups. Et ça, c'est vraiment, c'est grave. C'est pour ça, les gens doivent aussi avoir en fait, cette notion d'aller vérifier les Écritures. Comme les Béréens, voilà, dans Actes 17. Ouais. Parce que quand on parle de Dieu, Jésus-Christ, donc il y a aussi une parole qui accompagne cela. Donc les personnes doivent vraiment aussi s'intéresser à la parole de Dieu pour vérifier. Et voilà. Et surtout en précisant que nous sommes tous chrétiens. Et étant chrétiens, nous sommes tous hommes et femmes de Dieu. Donc, ce ne sont pas seulement les pasteurs. Tous les chrétiens sont hommes et femmes de Dieu. Hein, donc, du coup, la titromanie, la titrologie est brisée. Ah, voilà. Oui. Gloria, tu as quelque chose à dire ? Oui, moi, je voulais dire, par rapport au fait que tu viens de soulever vraiment le point, on est tous concernés par cette séduction, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le jeu de l'ennemi. Mm-hmm. Et moi, je voudrais parler à ceux qui savent, parce que moi, je parle avec des chrétiennes qui sont dans le système. Mm-hmm. qui me connaissaient comme étant païenne. Moi, mmh. je suis venue vraiment du monde. Dieu m'a fait grâce vraiment de connaître directement la vérité. Mmh. Donc, je n'ai jamais voulu adhérer les églises parce que j'étais certaine que le Dieu qu'on louait était saint. Je ne comprenais pas le système de voir des filles qui ressemblaient à des... qui disent être chrétiennes, mais qui ressemblaient à des païennes. Mmh. Et si pas pire. Et donc, moi et elles, on n'avait pas de différence. Mais leur responsabilité là-dedans, c'est-à-dire qu'on met beaucoup le poids sur les pasteurs, mais c'est d'abord même les chrétiens eux-mêmes mmh. qui savent et qui voient l'impudicité faite par les dirigeants. Eux-mêmes se plaignent de trop payer, mais qui sortent alors. Il faut vraiment qu'on se rende compte qu'après, on aura des comptes à rendre à Jésus-Christ, notre Dieu. Et beaucoup sont là et épuisent leurs dons, épuisent leur grâce à l'ennemi. Ils le savent, beaucoup le disent, et en fait c'est par la peur des hommes, c'est à cause du regard de l'homme qui ne quitte pas en fait. Il préfère désobéir en fait au Seigneur. Que partir avec les insultes des hommes, mais on n'en est plus là, mmh. on n'en est vraiment plus là. Beaucoup meurent, comme disait Nadia. Beaucoup sont dans les maladies. Ce n'est pas normal que ça fait 7 ans, 10 ans qu'on fréquente une église, qu'on est en mouvement, je veux dire, on participe vraiment de son temps, de son argent, et on ne voit aucune guérison. On ne voit pas les familles se convertir véritablement. On ne voit pas... Ta vie ne évolue pas. Et finalement, tu regardes le païen que tu... Tu te sens beaucoup plus aisé en disant que tu es chrétien, mais tu n'es même pas chrétien. Mmh. Tu n'es pas chrétien. Ils sont plus heureux que ces chrétiens. Tout à fait. Et je ne sais pas. Ils n'ont pas des huissiers. Ils n'ont pas d'huissier. Forcément, il y en a aussi, mais derrière eux pour demander à chaque fois le 1/10. Tout à fait. Comme c'est le cas dans ces églises aujourd'hui. La liberté n'est pas là. J'ai vu des chrétiennes pleurer parce qu'on leur demandait la dîme et que le mois qui arrivait était un mois chargé en facture. Et elles se cachaient. D'autres qui mentent,
que je travaille pas, pour que les dirigeants ne leur demandent pas de quoi que ce soit, même une participation. Beaucoup vont s'endetter même pour être je sais pas, ils ont leur uniforme. Il y a tout un système marketing dans lequel moi-même j'ai étudié ça. C'est de la séduction. La séduction n'est pas du Seigneur. Même quand le Seigneur vient vers toi et te fait grâce de te toucher, c'est pas de la séduction. C'est saint, c'est pur, et c'est comme ça qu'il propage son évangile. Et il n'a pas besoin de marketing, il n'a pas besoin d'embellir des images ou de quoi que ce soit. Le Seigneur touche les cœurs. Mmh. Et la séduction, ça ne fait que nourrir la chair. Mmh. Donc il y a vraiment un fossé entre tout ça. Mmh. Faut vraiment, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont au courant. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tout à fait, parce qu'ils veulent avoir cette attitude de piété. Mais l'attitude de piété... Vous ne l'avez même plus, on se moque de vous. Les païens se moquent, comme le Seigneur se moque aussi. Mmh. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Chora. Oui. Oui, je vous appelle, c'est pour effectivement déjà bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit au travers de votre ministère, parce que c'est vrai que le message de la gratuité de l'évangile vraiment n'est pas dit dans les assemblées. Et effectivement, je confirme par le fait que quand on était aux Antilles, en Guadeloupe, on était dans une assemblée où en fait, quand on a voulu intégrer la chorale, donc moi, je faisais de la musique et mon mari voulait être chanteur. Il y avait un uniforme à respecter avec des couleurs, avec des accessoires et tout ça. Et au bout d'un moment, on nous a dit qu'il fallait payer une certaine somme chaque mois pour pouvoir tout simplement chanter et faire chanter l'église, en fait. Donc, comme on était tous les deux, il y avait un tarif couple. Où il y avait deux jeunes qui étaient, on va dire, au niveau de la musique. Donc, ils avaient normalement un tarif aussi pour eux, puisqu'ils ne pouvaient pas payer le tarif plein pot. Mm-hmm. Donc, quand on a vu ça, on était quand même scandalisés, puisqu'on se disait, comment ça fait-il que de nos jours, on doive également payer pour servir le Seigneur? Mm-hmm. Donc, on n'a pas accepté, d'autant plus qu'on était déjà dans les difficultés financièrement. Donc, on a dit non, mais c'est pas possible, et on a préféré refuser de rentrer dans la chorale parce qu'on devait payer, soi-disant, pour avoir les uniformes, parce que chaque réunion, ça changeait, il fallait une certaine tenue, un rouge d'une certaine couleur, un bas d'une certaine couleur, les accessoires pour les femmes, les cravates pour les hommes d'une certaine couleur, les chaussures, tout ça, donc c'était très cher. Et par rapport à cela, donc, il fallait payer pour que le dirigeant fasse les achats de tous ses uniformes. Et donc, on a dit non, mais c'est pas possible. Voilà, c'est l'église de Laodicée. C'est une église pour les riches en dollars, en euros, en francs. C'est une église où les pauvres, aux yeux de ce monde, sont exclus. En commençant par notre Dieu, Yeshua, notre Seigneur, et malheureusement. Et le Seigneur demande à son peuple justement de sortir de là, de sortir de tous ces systèmes religieux, de sortir de toutes ces prisons, hein, de sortir de tous ces, n'est-ce pas, ces cavernes de voleurs. Et le Seigneur est en train de juger, n'est-ce pas, ces hommes et ces femmes. Il est en train de nous juger, nous tous, de nous sanctifier et nous préparer pour son retour. Voilà, que Dieu nous garde. En tout cas, bon courage, bonne continuation. Merci vous aussi. Merci, au revoir. Soyez bénis. Voilà, une image. Ok. Donc Yann, on va balancer une dernière image. Voilà le grand bishop saisir son onction. Alors imaginez, quand vous voyez une telle photo, est-ce qu'on voit vraiment la gloire du Seigneur là-dedans? Hein? Alain Patrick, un commerçant qui est, n'est-ce pas, dont la promotion est faite par des sites qui sont devenus des véritables poubelles, hein, le top chrétien, enseignement.com. Voilà, donc saisir son... Et je m'étonne même que les propriétaires de ces sites ne voient pas qu'ils ont affaire à des voleurs, à des charlatans, à des gourous. C'est quand même impressionnant de voir à quel point ces hommes et ces femmes sont devenus aveugles. Hein, on va revoir encore cette image-là.
Yeah. Comment? Ouais, ouais, donc, alors, c'est un livre, en fait, hein, donc un livre que ce monsieur vient d'écrire. Et 25 € le livre. Hein. Alors, on vous met une belle image de lui avec, voilà, une petite, une boule de, voilà, une, je ne sais pas, une étoile. En fait, pour moi, je pense, effectivement, mon frère, c'est une boule de cristal. Hein. Donc, et c'est quand même incroyable. Voilà. Est-ce qu'on voit, est-ce que ça parle de Jésus, honnêtement? Voilà, c'est ce que je... C'est-à-dire, si vous voulez apprendre sur l'onction, il faut débourser 25 €. Allons voir dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Versets 17 à 19. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Voilà, il nous faut des hommes comme Pierre. Regarde Paul, ce que Pierre va dire. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Voilà, donc c'est de la simonie. Alain Patrick Nsengue, qui est un de marchands de miracles, hein, n'est-ce pas, propulsé par les sites qui sont des véritables ordures, des véritables poubelles, n'est-ce pas, topchrétien.com, tout ça là, sont des sites qui font la promotion des voleurs, des charlatans, des impudiques, des prostituées, hein, n'est-ce pas. Donc moi, j'attends que vous portiez plainte contre moi, contre nous, amenez-moi devant les tribunaux, j'attends ça. Hein, depuis des années, pour que j'ai l'occasion de vous dénoncer devant les juges de ce monde. Hein, donc devant le juge céleste, déjà, Dieu, vous êtes dénoncé par les chrétiens, et maintenant, devant les autorités françaises, nous allons pouvoir aussi vous dénoncer. Et comme Paul en avait appelé à César, eh ben, on attend cela, parce qu'il y en a assez, n'est-ce pas, de cette arnaque. Et si vous voulez de l'argent, allez vous inscrire au Pôle emploi, hein, à l'ANPE, donc c'est au Pôle emploi, vous allez avoir du boulot, vous allez avoir des formations professionnelles pour avoir du travail et, n'est-ce pas, nourrir vos enfants, vos familles, plutôt que de vous servir de la Bible pour dépouiller les gens. Voilà. Maintenant, si Dieu permet à ce qu'un frère soit béni quelque part, ok, mais de là à se servir de la Bible pour aller voler les gens, dépouiller les chrétiens, écrire des livres sur l'onction et le vendre 25 € pour que les gens apprennent sur ce que c'est l'onction, c'est de la simonie, c'est Actes chapitre 8. Voilà, c'est l'esprit de Simon le magicien. Voilà, il nous faut de Pierre pour dénoncer ces hommes-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de parler. Voilà. Vous nous avez traités de. Ils nous ont traités sur Top Chrétien à l'époque de loups ravisseurs parce qu'on dénonce la pratique de la dîme. Et hein, donc, c'est le monde à l'envers. Ce sont les loups qui traitent les brebis de loups. Voilà, donc, allez comprendre ça. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je suis en direct. Oui, tout à fait. Oui, Kéher. Fachora, Stagios, pour soutenir l'émission. Et que vraiment Dieu vous bénisse. Ne suivez pas votre ordinateur. Vous dites? Ne suivez pas votre. N'écoutez pas votre ordinateur. Parlez directement. Ok, d'accord. Donc, c'est juste pour soutenir l'émission, que vraiment Dieu vous bénisse, tout le groupe qui est sur dans le studio là-bas. Parce que franchement, pendant on est fatigué avec ces charlatans-là. Vous savez, si on veut parler, on pourrait comparer vraiment ces gens comme des fétichistes et puis des charlatans. À l'époque, quand on était dans le monde, on allait chez les gens, allaient chez les charlatans pour demander la vie, des renseignements selon leur vie. Il faut qu'on paie l'argent. C'est maintenant ces gens qui se trouvent dans les églises. Et ça, ça doit être toujours dénoncé. On doit le dénoncer. Il y a les gens qui s'opposent. Pourquoi on les dénonce? Pourquoi on les dénonce? Mais les gens sont assoiffés par la parole. Là, on est assoiffés. On a besoin de la vraie parole de Dieu. Parce que la parole nous dit dans le psaume 119 que sa parole, c'est une lampe. Nous avons besoin de cette vraie lampe dans nos vies.
On a besoin de cette lampe. Ce n'est pas adorer des gens qui se trouvent devant et qui nous disent qu'on doit les adorer. J'ai même une sœur qui m'a dit, même si on fait des dons au pasteur, on est béni. Et je dis, mais comment est-ce qu'on peut faire des dons au pasteur? Comment faire à un pasteur alors que le pasteur est un conducteur de brebis? C'est eux qui doivent se tenir devant les brebis et les donner à nous à manger. Mais ce n'est pas à nous de nourrir les bergers. Prenons un exemple d'un vrai berger avec les moutons. On les enferme dans leur pâturage et ils mangent les herbes. Donc c'est comme ça qu'on doit être aussi avec nos frères qui se disent pasteurs. Vous voyez? Vraiment, frère, je veux que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Il a ouvert une porte en ta vie que nul ne peut fermer. Il a dit ça dans Apocalypse 3. Amen. La porte qu'il a ouverte de sauver son peuple, tu vas nous sauver. Nous, on a connu la vraie vérité. On te soutenait dans nos prières. Amen. Afin que vraiment les écailles tombent comme il faut sur les yeux de ceux qui restent encore dans les ténèbres. Amen. Ils vont tous venir. Ils vont tous venir s'engenouiller, demander pardon devant le peuple. Ce n'est même plus dans les chambres, mais dans les rues de l'Europe, de l'Afrique, dans le monde entier. Franchement. Ils vont venir, ils vont vraiment se repentir. La repentance, la porte, la sonnerie est vraiment sonnée et que tout le monde entende. Ils n'ont qu'à se repentir et vraiment donner la chance aux enfants de Dieu de connaître le vrai Dieu que nous avons confessé. Amen. On a un Dieu de vérité, il est impuissant et il est inchangeable, il est le même, il ne va jamais changer. Et Dieu connaît ses enfants. Mais les gens qui sont dans les ténèbres, qu'ils m'entendent ce soir, ils sachent savoir qu'il est temps que le monde se lève et de chercher le vrai Dieu, l'unique. Ce n'est pas Dieu fétiche, ni Dieu statue, mais un Dieu vrai qui est esprit et qui est avec nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'est juste pour soutenir l'émission. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni, ma sœur, merci. Et Éphésiens chapitre 5, verset 11 nous dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Voilà. Donc, voilà, il faut condamner ces œuvres. Nous n'avons rien contre ces hommes. Ce sont leurs pratiques, ce sont leurs enseignements, ce sont leurs systèmes religieux que nous dénonçons ouvertement et nous prions pour ceux et celles qui sont appelés par le Seigneur et qui pratiquent ces choses, qu'ils reviennent à la repentance comme le fils prodigue, qu'ils prêchent la vérité. Parce que des hommes comme, n'est-ce pas, Calvin, comme Luther, étaient avant tout des prêtres catholiques et ils croyaient aux indulgences et hein, ces offrandes exigées par le catholicisme romain pour obtenir le salut des défunts. Et ces hommes, Calvin, tout ça notamment, étaient revenus à la raison, étaient touchés par le Seigneur, éclairés par le Seigneur. Vous avez entendu le témoignage du frère qui va, demain, il va donner plus de détails, qui me traitait d'antéchrist, qui, n'est-ce pas, s'opposait à cette parole. Mais parce qu'il est de Dieu, Dieu l'a éclairé comme beaucoup de pasteurs commencent à se repentir. Et les vrais enfants du Seigneur, mes amis, commencent à revenir à la maison du Père pour prêcher l'évangile, n'est-ce pas, pur, le retour à la parole, l'évangile centré sur Christ. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir frère Chola. C'est juste pour lancer un appel au peuple polynésien, à tous ceux qui sont connectés, les îles du Pacifique, la Calédonie, Wallis et Futuna, tous ceux qui sont connectés sur TV de Vie, qui sont en direct, qui vous écoutent. Je vous encourage à diffuser massivement le message, le retour à la parole. Parce que c'est très important, parce que voilà, on est fatigué. On a affaire qu'à des loups déguisés en brebis dans les églises, hein, où les pasteurs veulent prendre la place de Jésus. Alors que nous, les vrais chrétiens savent qu'on ne veut pas voir des pasteurs à la place de notre Jésus. Il faut lui rendre la gloire à lui seul. Donc, c'est un appel à tout le peuple polynésien, la Calédonie, tout ça, toutes les îles du Pacifique. De bien suivre TV de Vie, parce que c'est pas un homme qui est prêché ici, c'est vraiment Jésus-Christ seul. Amen. De bien suivre les enseignements, et à vous maintenant d'en juger avec vos Bibles à l'appui, à la main. Amen. De regarder que ce qui se dit sur TV de Vie, si c'est conforme à la parole. Et vous allez voir, comme moi j'ai vu, les enseignements que j'ai suivis, et c'est l'évangile, c'est la parole
qui a été prêché par Jésus, par les apôtres. Donc le peuple polynésien, on est aussi prisonnier de ces loups assoiffés d'argent, hein, qui volent les dîmes pour aller manger au restaurant, hein, on les voit, les pasteurs par-ci, par-là, avec leurs photos au restaurant avec madame, maman pasteur et tout ça, on en a assez, c'est bon là. Amen. C'est bon. C'est Jésus-Christ seul qui est la porte, c'est pas un pasteur, c'est pas les pasteurs de la Polynésie, c'est Jésus seul qui est la porte. Donc, le retour à Jésus-Christ seul. Amen. Voilà, vraiment que j'appelle massivement le peuple polynésien, la Calédonie, tout ça. Ce que Frère Chora dit, c'est pas des mensonges, c'est pas moi qui vais vous le confirmer, c'est le Saint-Esprit. Amen. Avec la parole à l'appui et avec les enseignements, jour après jour, vous verrez que, voilà, que ce qui est dit là, c'est vrai. Que Dieu soit béni en tout cas. Vraiment. Et puis, j'encourage aussi tous mes frères et sœurs en Christ, le peuple polynésien, à prier pour TV de vie, TV de vie, tous les frères et sœurs qui travaillent sur TV de vie, pain quotidien, tout ça, avec le frère Loufiane, tout ça, de prier massivement pour eux, parce que vraiment, ils ont besoin de nos prières. Amen. Vraiment. Et puis que Dieu bénisse vos familles, vos femmes, vos maris, et voilà. Merci. Que vraiment, voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire une pause. Donc, est-ce que ça vous intéresse demain? Hein, donc, c'est vous qui voyez. Je sais que c'est de la route, hein, quand même. Mais je pense que vous avez des choses, beaucoup de choses à partager, des témoignages, tout ça. Donc, je pense que demain, tu pourras, si tu veux, refaire encore cette. Cette demande de pardon en expliquant un peu le contexte, tout ça, comment ça a commencé et comment le Seigneur a éclairé pour aussi encourager les autres prédicateurs, parce qu'il y en a de plus en plus qui suivent TV de vie et qui aimeraient emboîter le pas. Et nous voulons aussi les encourager, leur tendre la main pour qu'ils sortent de là. Parce que les choses que nous prêchons, que nous dénonçons, beaucoup de ces choses-là, on les a pratiquées aussi par ignorance, telles que la dîme, même si on ne prenait pas la dîme pour mettre dans nos poches, mais on croyait à cet enseignement, hein, comme aussi le fait de dire qu'il faut construire des bâtiments pour la gloire du Seigneur, tout ça. Donc, et Dieu nous a convaincus et nous revenons à la parole. Donc, voilà. Donc, demain, ce sera vraiment une bonne chose si vous pouvez venir à l'heure et que l'émission, qu'on fasse au moins 2 heures d'émission. Hein, il y aura des questions, il y aura moment. Donc, tout le monde, Nadia, encore, on va pouvoir témoigner, écouter de nouveau ton témoignage sur l'enfer, parce que beaucoup sont et encouragés. Je pense que ça va beaucoup encourager. Alors, je ne sais pas l'équipe technique, s'il y a quelqu'un en ligne. Non. Ok, c'est bon. Donc, parfait. Et voilà, on va prendre une dernière personne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, je voulais intervenir par rapport à une intervention d'une dame qui a parlé là, par rapport aux chrétiens qui sont dans les églises où ils se font maltraités, ils se font épuiser de l'argent et tout, et comme quoi qu'il y avait qui prenaient plaisir à cela. Bah, c'est vrai, peut-être qu'il y en a qui prennent plaisir, mais la plupart, je pense pas, parce que ces pasteurs-là, aujourd'hui, on les voit, des pasteurs, mais ils utilisent de la manipulation spirituelle, et je pense même qu'il y en a qui, aujourd'hui, utilisent des puissances autres, on peut dire de la sorcellerie, de la magie, pour envoûter les chrétiens. Parce que moi, j'ai mon mari qui est resté 7 ans dans une église. Il est venu dans cette église-là, véhiculé avec son travail, une maison. Et il est sorti, je vous dis, érémiste, sans domicile fixe et piéton. Durant 7 ans, il est resté dans cette église-là, faire des dons à maman prophétesse, faire des travaux à l'église, on le nomme colonne financière, on fait ceci, on fait cela. Mais le jour où moi j'ai découvert Frère Chora, je suis allée parler à mon mari, à l'époque il était mon fiancé, ça a failli nous diviser, au point que je peux dire que ça nous a divisés. Mais je pense que c'est la grâce de Dieu, parce que j'avais pas arrêté de prier, et quand je suis arrivée dans cette église-là, avec ma mère, le Seigneur nous a donné comme sujet de prier pour cet homme, parce qu'on avait des visions de lui comme quoi on devait le sacrifier. Il devait passer au sacrifice. Donc moi, je pense que ces pasteurs-là, ils ne sont pas que pasteurs. Ils utilisent de la sorcellerie, de la magie pour envoûter les gens, pour prendre des gens captifs.
Aujourd'hui, nous nous sommes sortis de cette église-là. Il y a un couple, la famille est divisée, les enfants sont disloqués. Le mari est prêt aujourd'hui à vendre sa maison pour acheter les camping-cars à Madame Maman Pasteur pour le promener toute la ville comme quoi aller prophétiser. Pourtant, la maman prophétesse a déjà soulevé sa fille comme le successeur qui va la remplacer à comme maman prophétesse après elle. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Saint-Esprit, mais c'est de la sorcellerie, c'est la sorcellerie de l'envoûtement. Alors moi, je dis, nous qui sommes sortis par la grâce de Dieu, je pense que notre devoir est aussi de prier pour ceux qui sont restés. Vraiment de prier pour que Dieu les délivre aussi, parce qu'ils sont aussi envoûtés. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Paul le dit d'ailleurs dans Galates chapitre 3, aux Galates qui vous a ensorcelé. Et ces hommes sont tellement fins, ils sont tellement ingénieux au mal qu'ils vont de maison à maison. Ils appellent les gens chez eux. Ils vont parler, ils vont visiter les malades, vos amis, vos parents, vos enfants, vos maris, vos femmes qui sont hospitalisés. Ils sont très, très malins. Hein, ils savent ce qu'ils veulent. Oui. Hein, ils passent leur vie à appeler les gens au téléphone, à se justifier, oui, moi, tout ça. C'est comme cela qu'on m'a attiré, au point même que la maman prophétesse est allée me dire, écoutez, Dieu m'a donné, vous a donné à moi comme si vous étiez ma fille. Si vous avez un problème la nuit comme le jour, au lieu d'appeler votre maman, il faut m'appeler d'abord moi, me parler à moi. Voilà, c'est ça. Donc, ils viennent à vous, ils se font passer pour vos pères, vos mères, spirituelles, tout ça, pour vous manipuler, pour vous contrôler. Et elles deviennent des mamans spirituelles, des papas spirituels, frères. Et voilà, donc on est passé par là, le Seigneur nous sort, nous a sorti de là. Et c'est terrible. Comme ça, ben, y a la relation et ils ont une ascendance hein, sur vous et le contrôle. Et ils sont en train de voyager partout. Ils voyagent partout, ils aiment les avions, ce sont des touristes, hein, ce ne sont pas des missionnaires. Ce sont des touristes, ils voyagent partout. Et qui sont ceux qui payent leurs billets? Eh bien, ce sont les chrétiens, c'est vous, n'est-ce pas? Et eux, ils voyagent partout, vous ne voyagez jamais. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous faire arnaquer, voler. Donc, chrétiens, réveillez-vous enfin, que Dieu vous garde. Donc, c'est terrible. Ils vont faire de la politique maintenant, ils deviennent des politiciens. Et ils ont plein de connexions avec des ministères à gauche. Ils font des séminaires sur séminaires, partout. Donc, on voit leurs photos partout sur ces sites complètement paganisés. Séminaires partout, séminaires matin, midi, soir, partout, partout, partout. Et c'est dans le but de récolter, amasser de l'argent. Et c'est tout. Donc, que Dieu vous garde en tout cas. Merci pour ton coup de fil, ma sœur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, on est arrivé à la fin de l'émission. Donc, on se dit demain soir, c'est possible, c'est bon? Je sais que je vous ai pris un peu au dépourvu. Je dirais plutôt par la foi. Hein? C'est bon, Nadia, pour demain? Que parfait, que Dieu soit béni. Alors, Loufiane, ça va, tout va bien? Alléluia. Donc, on vous donne rendez-vous, frères et sœurs, demain, hein, 20h30, et connectez-vous sur TV Radio de Vie. Il y a eu une émission, mes amis, spéciale, on va parler sur l'église, l'église de Laodicée, l'église d'aujourd'hui. Le monde dans l'église, voilà. Donc avec des témoignages, soyez encouragés. Merci en tout cas à l'équipe technique, merci pour votre travail. Nous sommes encouragés. Pensez à nous dans vos prières. On est beaucoup attaqués. On a besoin d'être couverts par vos prières. Que Dieu vous garde. Merci. Au revoir.